Ce sera toujours un grand plaisir de savoir que nous parlons ici et que vous nous recevez 5 sur 5 du côté de vos maisons, de vos bureaux et autres endroits. Mesdames, messieurs, bonjour. C'est reparti pour toute une semaine en information, une information en toute convivialité. Nous sommes lundi 3 juin 2024 à Yaoundé, au Cameroun. Merci d'être encore en direct sur Info TV. On ne le dira jamais assez. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Ce matin, nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés. Ce matin, nous irons du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Vous appellerez cela l'actu presse. La dénonciation du jour interviendra en deuxième partie de votre programme. Ce fait de société qui vous énerve, à notre niveau, nous avons le courage de le poser sur la table des débats. On terminera par l'instant de l'analyse. Ce matin, on parlera encore politique avec une préoccupation. La transparence électorale est-elle l'œuvre des pays africains? Transparence électorale en Afrique, quel regard? Mais comment pouvait-il en être autrement? Avant tout cela, au niveau de l'actu presse, on marquera un arrêt significatif ce matin, une fois de plus pour avoir les dernières informations sur le conflit ministère des Sports et de l'Éducation physique contre la Fédération camerounaise du football. Du côté de l'hôtel des Lions, l'hôtel Hilton de Yaoundé s'est allé dans tous les sens toute la nuit d'hier à aujourd'hui. Mais ce qu'il faut retenir pour l'instant est que c'est le staff qui a été nommé par le ministre des Sports et l'Éducation physique et qui est du côté du Hilton. On essaiera de comprendre finalement ce qui se passe. Qu'est devenu le staff qui a été nommé par le président de la Fédération camerounaise de football? Finalement, un film à plusieurs épisodes au niveau du MINCEP et de l'Africa Foot. Parce que vous êtes en direct sur Info TV, au canal 317, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Olinga, bonjour. Bonjour, parfait ici. Bonjour à mes copanélistes et bonjour à vos millions de téléspectateurs. On fera précéder par Aimé Cyprien. Bien entendu, c'est moi. On dira au bas de ce nom que vous êtes le président du Front démocratique révolutionnaire. C'est exact. Et à ce titre, vous me permettrez donc de saluer de manière patriotique tous les révolutionnaires du Cameroun et de la diaspora qui suivent attentivement votre émission. Et je voudrais faire également un clin d'œil à tous les autres, n'est-ce pas, compatriotes de la diaspora. Merci Aimé Cyprien Olinga. À côté d'Aimé Cyprien Olinga, on retrouve un universitaire, un enseignant d'université, docteur Georges Etoua Oyono. Bonjour. Bonjour, parfait. Comment vous allez? Très bien, merci. Et je voudrais renouveler toute ma gratitude et sympathie à l'équipe de Espace Miné, particulièrement et surtout la coordination d'Info TV pour la confiance à nous renouveler ce matin. Je souligne que Dr Etoua Oyono est enseignant du côté de l'université de Bolova. Comment se porte la ville de Bolova et maintenant l'université de ce côté? La ville de Bolova se porte un tout petit peu comme toutes les autres régions du Cameroun. C'est-à-dire qu'on ne saurait dire que tout va bien. Et les populations se battent, vaquent à leur activité normalement. Maintenant, du côté de l'université, on sort tout fraîchement des jeux universitaires qui se sont achevés du côté de Garoua. Les activités vont reprendre dans les prochains jours. Parlons justement des Bolova avec votre permission. Le temps mort de ces activités nous a permis de vaquer à autre chose et en rapport avec la thématique inscrite, notamment la transparence électorale sur le plan politique. Je voudrais ici adresser un clin d'œil particulier à mes camarades. J'espère ne pas déranger mon voisin. Vos camarades du parti RDPC, voilà. Ah, voilà, merci. Les camarades du RDPC, je pense aussi au président de la section, Bertrand Magloire Mendouga, qui conduit une caravane accompagnée ici de madame l'honorable Lar Martin, les autres membres de la section, Martin Paul Bisvondor, mon binôme Biakolo, et bien sûr tous les militants de du RDPC de Biombané qui se sont mobilisés au cours de ces caravanes à s'inscrire massivement sur les listes électorales. Avec votre permission, je m'avais vous rendre la parole en pensant ici à mes parents du côté des SOS et aux petits
Abada Jean-Paul du côté de Nkwaban. Comment s'appellent vos parents? Monsieur Oyono Grégoire et Marie-Thérèse Vina qui nous suivent attentivement du côté des sources cansonnelles. Ils sont très heureux d'avoir mis à la face du monde un enseignant d'université. Certainement. Vous savez, lorsque vous avez un fils qui est devenu enseignant d'université, ça fait du bien. Parce que d'autres ont également des fils qui sont devenus autre chose, que je ne donnerai pas par élégance sur ce plateau. Je pense que là, ça fait du mal. Tout à fait. Bernardo Basson restera le sucre national. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Vous m'avez l'air un peu fatigué. Oui. C'est épuisant. Bon, ça peut aller mieux, parfait, ici. On ne répondait pas à la question. Quelqu'un te demande si c'était épuisant, toi tu dis ça peut aller mieux. Qu'est-ce qui était épuisant? Voilà, c'est la question qu'il fallait poser. Voilà. Qu'est-ce qui était épuisant? On sortait d'une longue nuit. Vous étiez avec moi. Bernardo Basson, aujourd'hui c'est la journée internationale au mondial de quoi? Du vélo. Toute une journée pour le vélo. Oui, tout à fait. Incroyable. Parce que les experts dans l'automobile se sont rendus compte que les autres les engins automobiles sont très polluants. Il fallait donc travailler à réduire la pollution et donc on a pensé qu'il fallait maximiser l'usage du vélo. Donc le 3 juin est la journée mondiale consacrée à l'appréciation des vertus du vélo en tant qu'élément protecteur de notre écosystème global. Vous savez, le président de la République, son Excellence Paul Biya, qui est un grand sportif, mais vous connaissez quelle est sa discipline? Je suppose que c'est le vélo. C'est le vélo. On en parle aujourd'hui. Et j'aimerais dire. Il aimait bien faire du vélo. Et le faisait très bien sur des longues distances, le président Paul Biya. Et parfois, même lorsqu'il partait pour le vélo, ça, je tiens ça des sources sûres, hein, il essoufflait ceux qui étaient à côté de lui, qui étaient ses gardes. Le vélo, c'est très physique et très puissant. Hein. Ah oui. Il y a également le ministre Joseph Lé. Ah oui. À son âge, il va toujours à vélo. Hein. Ah d'accord. Oui. Récemment, je l'ai vu aller à vélo. Le ministre Joseph Lé. D'accord. Et j'ai constaté qu'il est encore très fort. Il faut dire au docteur Etoa que monsieur Olinga n'est pas un extrémiste. Non, pas du tout. Politique. Pas du tout. Voilà. Il est révolutionnaire, il n'est pas extrémiste. Ah, donc, c'est deux choses très différentes. Si vous êtes du FDRC, il ne va pas vous tenir à la gorge. Merci. Mais nous, qui sommes excédés, exténués par la gestion du RDPC, quand j'aurai une meilleure forme, c'est avec les mains que je vais. Oh là là, oh là là. Ah, oui. Ça, c'est on va sortir du jeu. Justement. J'assume. On va sortir du jeu. Du jeu politique. Le jeu physique. Le président Paul Biya nous a demandé de débattre. Voilà. Et non de. De combattre. De combattre. Voilà. Mais vous avez dit vendredi que c'était mon grand-père. Sauf que lui-même, parfois, ne s'inscrit pas dans cette logique. Hein. Ah non, c'est toujours le jeu, le débat. Lorsqu'il laisse parfois au sein de votre chapelle politique, nous avons observé des scènes ubuesques pendant les renouvellements. Hein. Ce n'était pas le débat. C'est le propre des regroupements. On a même brûlé la maison de toute la soirée sous le préfet. Voilà. On a vu des routes coupées. Ainsi de suite, ainsi de suite. Il me semble que ce n'est pas ça le c'est débat. C'est ça le débat, c'est que c'est une drôle. Ce sont des scènes de combattants. Ce sont des scènes qui ne manquent pas dans toutes les organisations. Ah, mais ah oui. Ça veut dire que nous avons vu aux États-Unis, lorsque l'ancien chef d'État, Donald Trump, oui. Voilà, on a vu ses militants envahir carrément la Maison Blanche. Et même le Capitole. Même voir le Capitole, voyez-vous. Oui. Alors, si vous essayez de comparer ce qui se fait au Cameroun à ce qu'on vit quand même aux États-Unis, voyez-vous, non, ben, comprenez que c'est ça en fait. En politique, oui, on peut s'attendre à tout genre de scène. Maintenant, nous n'encourageons pas, mais souhaitons quand même appeler les gens à beaucoup de maîtrise de temps en temps. Tout à fait. Ce n'est que ça. Merci docteur, merci Aimé Cyprien. Accueillons donc notre consultant Pierre Blériot Niemek, encore debout ce matin. La cohérence et surtout la pertinence de ses arguments continueront à faire de lui un très grand consultant. Il est descendant de Omiobé, fils de Omiobé, justement. Il est également digne fils de Boumiébel. Pierre Blériot, bonjour. Bonjour, parfait ici. Merci de m'associer à ce panel ce matin. Je suis heureux d'être là. Je dis bonjour à tout le monde. Je soupçonne que vous êtes content ce matin. Pour une raison particulière? Oui. Laquelle? Et je vois que vous êtes d'ailleurs pour cela très bien rasé.
Non, vous êtes là comme quelqu'un qui va manger du chien. Non, je vais vous dire... Vous avez le Congolais bon. J'imagine que c'est relativement aux évolutions qui ont... Tout à fait. ...lieu dans le conflit Minsep-Fekafoot. Mm-hmm. Non. Je ne vois pas de raison de triomphalisme. J'ai déjà donné ma position claire. Le système Paul Biya et tout ça, je condamne. On en parle tout à l'heure à dire Blé. Donc, je ne suis pas content. Par contre, la sagesse de ce jour, oui, nous enchaînons. C'est une sagesse Batoufam. Ce sont les Bamileke. Voilà. N'écoute pas ceux qui te disent qu'ils sont derrière toi. Marche avec ceux qui sont devant toi. Parce que quand la balle vient, elle prend d'abord ceux qui sont devant toi et ceux qui sont derrière. On peut reprendre. N'écoute pas ceux qui te disent qu'ils sont derrière toi. Marche avec ceux qui sont devant toi. Parce que quand la balle vient, elle prend d'abord ceux qui sont devant et ceux qui sont derrière fuient. Ça veut dire quoi? Il n'y a jamais personne derrière celui qui est attaqué. Hein? Alors, faut marcher avec ceux qui sont devant toi. N'écoute pas les gens qui disent « nous sommes derrière toi, nous sommes derrière toi ». Ça n'existe pas. Merci. Je crois que tout le monde est en train de voir ça, n'est-ce pas? Merci. je ne vois rien. Voilà. Merci d'être là ce matin. Les sujets ont été proposés. Le panel a été constitué. À tout de suite pour les échanges. Bonjour, parfait ici. Bonjour aux millions de téléspectateurs qui regardent Espace Billet de par le monde entier. Bonjour à tes panélistes ce matin. Claudia Ancha, nous sortons d'un week-end. Il a été, je présume. Oui, le week-end a été super de mon côté. Franchement, je me suis bien amusée. Et je suis en forme. Vous avez fait quoi de particulier? Juste aller me balader avec des amis, rien de plus. Amis garçons ou bien filles? C'était un savant dosage. Un savant dosage, comme vous le dites. Surtout qu'il fallait une symbiose. Tout à fait. Il ne faut pas se retrouver un week-end avec beaucoup de garçons. Ça peut conduire à des choses très compliquées. Vous préférez être avec beaucoup de filles? Je préfère être avec beaucoup de filles. Le contexte actuel ne vous dit rien. Je ne suis pas encore au lycée bilingue d'application, pas du tout. Claudia Ancha, la petite étincelante est parmi nous ce matin. Une fois de plus, sachez que nous devons donc déjà faire un tour du côté des kiosques. Claudia, que disent les journaux? Les journaux ce matin, parfois ici, parlent de la transformation, le cas du cacao, bientôt du chocolat d'excellence made in Cameroun. C'est ce que nous renseigne le quotidien en faux matin, Paris en kiosque ce lundi. D'après Dieudonné Mvung, la manufacture du promoteur français Olivier Bordet, président de la société SA Manta, va sortir les premiers produits finis haut de gamme d'ici un an. La suite à lire de la page 2 à 3. L'avenir fait une déclaration ce matin. Luc Magloire, Bagatin. Dans le secteur du cacao, sa carbure, le membre du gouvernement a procédé vendredi dernier à la pose de la première pierre de la chocolaterie Chocolat Rouge, basée dans la ville d'Oubala, région du centre. Gouvernance presse est en kiosque ce matin, ne loupe pas cette actualité. Pose de la première pierre, l'usine de production du chocolat rouge à Oubala. Il s'agit d'un bonheur qui traduit la pertinence des choix politiques du président Paul Biya. Lazare Nomonomo parle de cette
cette actualité en page 6. Et puis, Fekka Food Minseb, la crise continue. La nouvelle expression nous informe ce premier jour de la semaine que des éclats de voix se sont fait entendre hier dimanche à l'hôtel Hilton de Yaoundé. La page 11 nous dit tout à ce sujet. C'est donc un nouveau bras de fer entre la Fekka Food et le Minseb, laisse entendre l'indépendant en kiosque ce matin. Le Zénith est aussi au parfum de cette actualité. Affaire Minseb Fekka Food, le jeu crouble des apprentis sorciers, tireurs de ficelles dans l'ombre. Certains individus tapis dans l'ombre ne cachent plus leur fascination pour le désordre dans le football camerounais. Même son de cloche avec la nouvelle ce lundi, clash Minseb Fekka Food, les hautes instructions respectées. La nouvelle nous dit que fauteur de troubles, moins les combis roulent dans la farine. Le président Paul Biya et Ferdinand Gongo pour assouvir sa cupidité et sa haine contre Samuel Etofis. Le jour est à l'affiche ce matin. Ahmed Mananou renseigne dans sa publication que le regroupement des joueurs en vue des deux matchs éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 a commencé hier à Yaoundé et deux staffs des Lions Indomptables se sont retrouvés au Hilton et en action. Et puis, jeux universitaires qu'attendre du nouveau format. Le messager en kiosque s'interroge sur cette actualité. Lire la page 10 à 11 pour en savoir davantage. Et si le messager s'interroge sur les jeux universitaires, le quotidien Mutation lui s'inquiète du calendrier de mise en œuvre du barrage de Nactigal. Une vague de doutes plane sur la mise en service de cet ouvrage, nous informe Georges Alain Boyomo en page 7. Entre-temps, Réalité Plus est en joie ce matin et célèbre la nomination d'Emmanuel Satué comme sénateur. Paul Biya porté très haut dans le Kunking, apprend-on du quotidien de Paul Gouaré Kindi. En éducation, voici la cérémonie de fin d'année au groupe scolaire bilingue Saint-Christophe. La reconnaissance au professeur Laurent-Serge Tundingua, le témoin, présente l'événement dans son édition du jour. Service ferroviaire, le Cameroun est bien arrivé aux exigences du numérique. Sans détour revient ce matin sur la clôture des travaux du 3e congrès africain sur le numérique ferroviaire. Les temps forts à lire en page 3. Guerre déclarée contre l'insécurité alimentaire, la ville de Maroua s'arme pour combattre le phénomène. L'œil du Sahel nous donne les positions d'attaque en page 5. Repère ne manque pas à l'appel ce lundi. Le journal ce matin nous informe que malgré les efforts de remboursement consentis au niveau d'endettement du Cameroun reste élevé et concernant la dette publique, 1,245 milliards de francs CFA ont été remboursés en 2023. Et pour clôturer, nous mettons le cap vers les États-Unis avec Cameroun, tribune, Assemblée générale de l'ONU, le cœur à New York. Selon le journal à Capitaux Publics, cette semaine, l'élection du président de la 79e Assemblée générale démarre en pole position l'ancien premier ministre du Cameroun, Philemon Yang. Merci Claudia. Pardon. Pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Vous ne partez pas comme d'habitude, vous nous livrez le fait saillant de l'actualité qui retiendra notre attention ce soir aux 19h et aux 20h. Parfois ici, bien évidemment, nous aurons plusieurs actualités, mais on reviendra vraiment sur cette actualité concernant le football au Cameroun avec ses nombreux rebondissements. Vous en parlez déjà à l'entame de votre émission tout à l'heure. Que se passe-t-il exactement? Cameroun Tribune titrait déjà en grande une la semaine dernière que le président de la République avait sifflé la fin de la récréation, mais on se rend compte que la crise, elle se poursuit. On va donc interroger les citoyens pour comprendre, pour qu'ils nous disent un peu, qu'ils nous donnent leur point de vue sur cette situation. Dans tous les cas, on en saura davantage aux 19h ou 20h ce soir. Claudia, oui. Tout en te souhaitant une excellente journée, nous nous disons à demain 10h. À demain 10h, bonne suite d'émission. Merci beaucoup. Et effectivement, Claudia et ses journaux nous ont appris tout à l'heure que la crise, le conflit, le duel entre le ministère des Sports et l'Éducation physique au Cameroun contre la Fédération camerounaise de football continue. C'est vrai que Claudia vient également de le faire savoir tout à l'heure. Elle a totalement raison. Je pense que Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana de vendredi dernier, si mes souvenirs sont exacts, nous renseignait que le président Paul Biya, par rapport à cette
cette folle actualité en football au Cameroun avait sifflé la fin, de la récréation. Et beaucoup se sont dit que comme c'est Cameroun Tribune, on sait que c'est un journal crédible. Et donc, voilà la vraie information. Maintenant, dans notre métier également, dans le métier de journaliste, les faits sont têtus. Je disais déjà vendredi que Cameroun Tribune avait été évasif à la une. Même si à l'intérieur du journal, Cameroun Tribune avait publié le staff technique nommé par le président de la Fédération Camerounaise de football, Monsieur Samuel Eto'o. Docteur Eto'o Oyono, je commence par vous. Les informations n'ont pas du tout été rassurantes toute la nuit d'hier du côté du Hilton Hotel où sont logés les Lions Indomptables et maintenant l'encadrement technique. On a vu un tissu sécuritaire de très grand jour, la gendarmerie et la police. Lorsqu'un joueur arrivait, il était escorté par la police et la gendarmerie jusqu'au niveau de sa chambre. On nous a également fait comprendre, nos informateurs de ce côté, que ça faillait encore aller dans tous les sens entre les deux staffs qui ont failli s'affronter. Il y avait les deux staffs, le staff nommé par M. Eto'o et le staff nommé par l'État du Cameroun. Voilà par exemple Ngamale qui est escorté. Je pense même que Ngamale a eu peur. Il n'a jamais eu ce genre d'accueil. Alors, la question est celle de savoir, y a-t-il véritablement eu une fin, comme l'a dit Cameroun Tribune? Merci, parfait. C'est une situation vraiment embarrassante au sein de l'opinion et de la de l'État camerounais. Ce triste événement dont on a cru voir s'il fait la fin il y a quelques jours. Maintenant, je ne voudrais pas totalement porter du doigt la réaction du quotidien Cameroun Tribune dirigé par Madame Marie-Claire Nana, en ce sens que dans un environnement où on vit ce genre d'événement, il n'est pas souvent évident d'avoir la maîtrise, d'avoir le contrôle de la gestion des faits. Simplement parce que, oui, les médias nous ont montré certaines scènes où on avait les deux camps qui semblaient avoir fumé le calumet de la paix, qui semblaient avoir remis les choses à la normale. Mais sauf que entre-temps, il y a quand même des petites procédures qui se sont manifestées, notamment la demande de mise à disposition de certains responsables. Notamment de M. Pagou et de M. Ntungumpile. Voilà. Entre-temps, même M. Ntungumpile, lui-même, est bien retraité. Moi, j'ai vu un document parler de Ntungumpile. Ah non, le document de la FECAFOOT, évidemment. On lui parle des deux, là. Voilà. En fait, parfait, ce que je voudrais relever, c'est que, sans toutefois me passer ici pour l'avocat ou le défenseur du MINCEP, mais à dire quand même... C'est votre droit, hein? Non. Vous êtes un citoyen libre. Pour l'instant, ma qualité d'enseignant ne me permet pas de verser un peu comme... Non, et puis tu es enseignant d'université, il n'y a pas d'université à Mulundu. On n'y est pas plus. On n'a pas dans ce sens. On n'a pas dans ce sens. Juste pour dire que la correspondance de la FECAFOOT qui demande la mise à disposition de ces deux que nous venons de relever intervient le week-end. Je crois que c'est vendredi. Vendredi, début du week-end. Le vendredi, c'est elle est introduite, alors que là, il me souvient quand même que les Jeux universitaires de Garoua étaient en train de marquer un point final où exactement M. le ministre a été convié. Je me dis quand même que la lettre, la correspondance est arrivée dans ses services. Et pareil, dossier, à ma connaissance, il revient au ministre, vu que c'est lui qui a été interpellé. Est-ce que ça t'a fait même encore au niveau la correspondance de mise à disposition ou pas? Je me dis parfait, c'est encore là parce que il y va maintenant d'un problème de... C'est parce qu'il n'y a pas eu cette mise à disposition que le staff de la FECAFOOT n'a pas été admis au Hilton? Je voudrais répondre par l'affirmative, parce qu'il y va quand même. Si vous voulez relever que M. Ntungupile n'est plus actif, il n'est plus fonctionnaire actif, voilà. Mais M. Pagou, quand même,
est encore là et le ministre qui a été saisi par correspondance ne pouvait pas gérer un dossier et laisser l'autre. Maintenant, à quel moment est-ce que M. le ministre Moïse Kombi a pris connaissance des 10 dossiers? Certainement après les jeux universitaires qui sont achevés samedi soir. Bon, je voudrais pas également mesurer la qualité de l'urgence ou quoi, mais dire que, attendant, nous sommes lundi aujourd'hui, certainement, monsieur le ministre, en se rendant à ce service, prendra connaissance de ce qui lui a été transmis, n'allons pas vite en besogne. Il ne pouvait pas être à Garoua, signer également les dossiers demandant à la mise à disposition de monsieur Ntungu et de monsieur Pagou. Donc, c'est pratiquement, pour moi, non événement. Pourquoi est-ce que l'opinion va être pressée de voir déjà Hilton, l'équipe qui va accueillir? Voilà que les deux sont retrouvés. Non, parce qu'il y avait les deux. Oui, mais maintenant, c'est qu'en fait, jusqu'ici, le MINICEP considère que... le MINICEP est supposé ne pas être au courant de la correspondance qui demande la mise à disposition au préalable. J'ai peur de reposer ma question. Allez-y, allez-y, parfait. Si on prend même les choses à la normale... M. Ntungu est adjoint, on est d'accord. Et M. Pagou est également adjoint numéro 2. D'accord. Mais maintenant, le reste du staff est là. L'information, si j'ai bien prêté attention, laisse entendre que l'entraîneur sélectionneur n'a pas accepté les propositions faites par la FECAFOOT qui voudrait que Monsieur Ntungu et Monsieur Pagou soient directement là et bien plus les autres membres du staff proposés par la FECAFOOT. Pour Monsieur Marc Brice, il était question de ne pas modifier son encadrement immédiat. Maintenant, il a même proposé que si la petite mesure, bon, je voulais pas entrer un peu dans la démarche de Monsieur Brice qui voudrait que ce soit lui qui décide que les gens qui ont été proposés par M. Ito occupent au trop les postes d'adjoint seulement. Mais lui ne voudrait pas travailler avec ce collectif à lui proposer. Mais ils occupent justement les postes d'adjoint. Oui, en dehors de ça, Bagbis avait déjà des adjoints proposés par le ministère. Merci. Ça veut dire qu'entre-temps, il y a tout un méli-mélo. Bon. D'accord. Voilà. Et M. Cyprien Olinga, oui. Parce que c'est une affaire quand même qui a un début. Vous savez, même lorsqu'il y a un film, il y a le début du film, il y a maintenant le milieu, il y a la fin, et tout ce qui va avec. Tout était parti hein, pour aller vite de la nomination d'un staff technique des Lions Indomptables, Marc Brice et le reste de l'encadrement des Lions Indomptables sur très hautes instructions du président de la République, son Excellence Paul Biya. Mmh. On a vu une résistance à nul autre pareil du côté de la Fédération Camerounaise de football qui a également nommé donc très récemment ou bien reconduit son staff technique en parlant également sur très hautes instructions du président pour lui. Parce que qu'on se comprenne très bien. Alors, très hautes instructions à gauche qui combattent très hautes instructions venant de la droite. Vous vous situez où dans cet océan de très hautes instructions et contre très hautes instructions dans une république sérieuse? D'abord, je voudrais observer que ce spectacle de très mauvais goût d'ailleurs ne peut que révolter le révolutionnaire que je suis. Moi, j'estime que le Cameroun ne doit pas être traîné dans la boue comme nous l'avons observé ces deux derniers mois. Je crois que le Cameroun est un grand pays qui ne doit pas montrer à la face du monde une telle tragique comédie qui n'a que trop duré. Et haute instruction à gauche, haute instruction à droite, j'ai plutôt envie de dire qu'effectivement, nous sommes là dans une république apparemment qui n'est plus gouvernée. Ah bon? Ah oui, ah oui. Ben, où est le président? Il donne des instructions. Lui-même, il est où? Non, le problème, c'est que on nous dit que le président a donné des très hautes instructions. Et comme ces très hautes instructions ne sont donc pas appliquées, ne sommes-nous pas en droit à commencer à mettre ces très hautes instructions entre guillemets? Mais c'est ce que je dis. Parce que quand on revendique d'un côté, on dit qu'on agit sur très hautes instructions. À droite, on dit qu'on agit sur très hautes instructions. Et on observe... qu'après, il n'y a pas d'accalmie, les deux camps s'affrontent, et depuis des mois, on observe tout ce vacarme-là. Ben, celui qui donne les très hautes instructions, il est où? Il est à Washington? Il est aux îles Caïmans?
Mais s'il est au Cameroun, il devrait lui-même. Il est au Cameroun. Ben, on n'a pas cette certitude. Peut-être qu'il ne regarde pas Info TV, hein, pour avoir la il n'a pas besoin de regarder Info TV. Quand on dirige un État, on a des services de renseignement, on a des services d'intelligence qui vous renseignent au quotidien, minute après minute, du fonctionnement de l'État et de la nation. Ben, écoutez, moi, j'aurais été président de la République que cette histoire-là se serait arrêtée depuis longtemps. Parce que quand vous avez donné... admettons même que le président ait donné des instructions au ministre pour nommer l'encadrement technique et que le président de la fédération estime qu'on a empiété là sur son champ d'action, que lui aussi vienne nommer en s'inspirant des mêmes autres instructions et qu'à la fin, il y a affrontement des deux camps qui se revendiquent des très hautes instructions. Il apparaît donc, il est donc évident que dans un tel cafouillage organisé, dans un tel désordre organisé, que le patron qui donne les instructions les fasse convoquer et dise que maintenant il ne s'agit plus d'instructions. Il doit, moi, président de la République, j'aurais déjà convoqué et le ministre et les faire asseoir pour dire, pour trancher et arbitrer. Mais à partir du moment où le président lui-même est invisible, on voit seulement les hautes instructions. Il est tout à fait logique et normal que des gens doutent même de la véracité de ces hautes instructions, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et à partir de ce moment, j'ai dit que cette tragique comédie vraiment doit s'arrêter. Il faut que le président de la République nous démontre quand même qu'il tient encore le gouvernail. Mais à l'observation, lorsque nous observons tout ce qui se passe dans le pays, nous avons la forte impression qu'effectivement le président a perdu la main. Il n'est même plus au contrôle de cette affaire. Docteur Étoile semble ne pas être d'accord. Il n'est pas obligé d'être d'accord. Pas totalement dans le sens, mais relevez plutôt un autre aspect parfait qui amène à comprendre que, et là où je m'aligne plutôt dans la voix de Aimé Cyprien, c'est que c'est haute ou très haute instruction montre tellement mal géré, augure déjà un tout petit peu la gestion de tout un pays qui va dans tous les sens. Parce qu'il me souvient aussi que, toujours au nom de ces mêmes hautes instructions, on a assisté à certaines manœuvres qui plongeaient totalement ce gouvernement déjà dans le doute. Alors, est-ce qu'il ne faut donc pas dire, à partir de ce matin, en direct sur Info TV, proclamer officiellement la mort. Et on programmera donc l'inhumation, les obsèques des hautes instructions. Affirmatif, parfait. Et c'est un appel, c'est un message même à l'endroit de la hiérarchie, à l'endroit du gouvernement et particulièrement de M. le chef d'État qui nous suit. Aujourd'hui, il y a des zones d'incertitude qui sont créées autour de la présence de la République. Par zone d'incertitude, il y a des canaux par lesquels certains passent pour accéder à, entre guillemets, vos hautes instructions. Le peuple camerounais qui vous parle est conscient du fait qu'il ne s'agit pas toujours d'une volonté étatique de vous, Monsieur le Président de la République. Il est peut-être temps, comme nous le disons aujourd'hui, nous le martelons sur Info TV, nous prions de sonner la fin de cette récréation mal gérée, mal abordée de ces très hautes instructions. Très bien. Bernardo Basson, nous avons donc l'impression, comme je parlais avec un collaborateur tout à l'heure, que cette affaire ressemble étrangement à la musique congolaise. Hein. Lorsque vous pensez que la chanson est terminée, vous entendez seulement Toleka et la chanson reprend. C'est ça, Minsef fait cafou. On a cru que c'était terminé. Je crois que j'ai deux choses à dire. La première, c'est que j'ai échappé belle. Échappé à quoi? Ouais. Bon, comme vous savez, je suis un tout petit peu secoué ces jours-ci. Mais hier, ma petite sœur est arrivée de France. Elle était au rooftop hier du Hilton. Elle m'a appelé pour me dire, viens au Hilton. On se retrouve au rooftop pour prendre un verre. Et si j'y allais, j'aurais vécu ce spectacle nauséeux là. La deuxième chose, c'est que j'ai quand même deux éléments ici qui me semblent être protubérants. Le premier, c'est qu'il y a une affaire d'argent qui me semble être mêlée à ce conflit. Parce que l'insistance pour les deux parties à gérer la coordination de la sélection semble peut-être dénoter qu'il y a un gros conflit financier à ce poste-là,
Parce que si vous regardez, vous allez voir que le nœud du problème vient de la désignation du coordonnateur, puisqu'on s'est accordé sur le sélectionneur. Mmh. Je pense que Eto'o l'avait dit dans sa sortie sur France 24, que dans notre pays, c'est le chef de l'État, entre guillemets, qui désigne le sélectionneur. Donc moi, je me suis dit qu'une fois que la question Marc Brice est réglée, le reste ne fera pas forcément Pinaï. Mais s'il y a encore à débattre sur le reste de l'encadrement, ça veut dire qu'il y a un problème financier. Le second, c'est que on a affaire là. Moi, je trouve que le c'est le coordonnateur général qui gère les rangs. Hein. C'est lui qui gère le blé. Visiblement. Et vous savez que du côté de l'Afrique à foot, le blé parfois lourd, il pèse. Le second élément, c'est que. Et un grand manager doit être en harmonie avec celui qui gère le blé. Bien sûr. Mais sinon, vous ne générez, vous êtes là comme ça. Il y a un système d'automatisation quand même qui commence à poser problème. Mmh. L'affaire des hautes instructions, moi, je me suis pris les pieds dans le tapis. Parce que dans les deux cas, j'ai dit Paul Biya a parlé, on exécute, vous vous souvenez? Quand Paul Biya l'a dit la première fois, j'ai dit à Eto'o si Paul Biya a parlé. Paul Biya n'a même jamais parlé. Quand j'ai également entendu que Paul Biya a dit au MINICEP que voilà, exécute, j'ai dit Paul Biya a parlé, exécute. Finalement, moi-même, je me retrouve dans les boules d'un capital. Mais ce que moi, je peux dire ici, enfin, ici, c'est que je reste constant sur une ligne. Il faut trouver la paix. Mais pour le moment, je crois que pour qu'il y ait paix, il faut que le chef de l'État arbitre cette affaire. Mais une fois de plus, je considère que le MINCEP, et là, je m'adresse un peu à lui en tant que fils, il est chef traditionnel, parfait, ici. Mm-hmm. Il est chef. Et quand vous êtes chef, il y a des postures à avoir, c'est-à-dire quoi? Est-ce qu'ils sont à la chefferie là-bas? Non, on est chef dans l'âme, on n'est pas chef dans, son village. Le chef, c'est l'âme. Ici, à Yaoundé, au Cameroun, il est ministre de la République. Je suis d'accord, mais je dis bien, le chef, c'est l'âme, ce n'est pas le corps. Donc, quand tu es chef, il y a des postures de grandeur à avoir. Monsieur Banlock a travaillé avec Samuel Eto'o pendant des années. La grandeur, c'est quoi? Qu'il dise que c'est Benoît Angba qui est le coordonnateur. Qui laisse cette affaire? Pourquoi se mettre dans la boue? Eh non, il y a l'enjeu. L'enjeu financier n'a pas fait l'argent. L'enjeu est énorme. Non, le MINCEP ici, il exagère. Parfait, ici. Vraiment, il exagère. Mais comme moi, je n'ai pas d'énergie, je ne vais pas parler fort aujourd'hui, mais il va un peu. Mais tu vas trop parler. Voilà. Quand tu dis que le MINCEP exagère, parce qu'on ne veut pas laisser. Ok. Pierre Blériot, Niamek, aujourd'hui, officiellement, les Lions Indomptables qui affrontent le Cap-Vert en Fandena le 8 doivent débuter les séances d'entraînement. Ces séances d'entraînement auront lieu du côté du stade militaire d'Ongwaekele. Les informations que j'ai eues, que le bus d'abord est parti hier, le bus qui devait porter les Lions. Les équipements maintenant sont bloqués. Est-ce que chaque Lion va s'entraîner avec son maillot de son équipe? Est-ce qu'on va aller rapidement à Mokolo pour aller acheter les équipements chez les amis qui vendent les maillots des Lions là-bas, la fripe? Ça peut partir ici, mais moi, ça me fait pas rire. Comme, on en a loué un très grand joueur à l'échelle internationale. Les Ngamale, les Anguissa, ils ne sont plus habitués avec ces histoires du quartier. Votre réaction? Monsieur Bernard Basson vous disait qu'il fallait que le ministre fasse preuve de hauteur, c'est ça? Qu'il montre qu'il est chef traditionnel. Quand le président de l'Afrikafoot fait retourner le bus et les maillots, c'est de la grandeur? Non. Non, sur le coup, il n'a pas été grand. Bon, sur beaucoup d'autres coups, il n'a même pas l'habitude. Sur beaucoup d'autres coups, comme il n'a même pas l'habitude d'être grand. Donc, une maturité qui manque. Parfait, ici. Moi, je suis constant. Les grands dans le Titanic étaient restés jusqu'à ce que le bateau coule. Et moi, je suis dans le bateau du Titanic jusqu'à la fin. Je suis constant. Je dis que cette affaire... Il y a eu les hautes instructions, sauf qu'elles ont été de part et d'autre manipulées. Voilà. Les hautes instructions ont été données par le canal du SGPR adressé au ministre Mouelle Kombi. Mouelle Kombi a exécuté les hautes instructions avec extrapolation. Mouelle Kombi, comme vous avez les amis, moi je n'ai pas d'amis. Même là-bas, ils disent, quand je parle bien, on dit, oh, venez, faites écouter au ministre ce que Niamek a dit. Quand je dose comme je suis en train de doser là, on ne fait pas écouter, mais il va toujours écouter. Il s'est servi des hautes instructions et il est allé au-delà de ses prérogatives, au-delà des instructions, pour régler un cas personnel. Il voulait régler
l'humiliation qu'il avait subie de la part de Samuel Eto'o. Concernant Conseil Sao. En le faisant, il a ouvert une brèche pour Samuel. Samuel Eto'o, qui est donc un parfait attaquant, un grand buteur, s'est saisi de la brèche. Mais en revenant, n'a pas eu le tact nécessaire. Parce que c'est ce que je vous dis à ce gars-là et à son entourage. Il n'y a pas de tact de ce côté. Il n'était pas question pour Samuel Eto'o de publier en posture de défiance un staff. Non! Ceux qui lui ont dit ça, même si c'est lui-même, ce n'est pas comme ça. En le publiant, regardez, il a oublié beaucoup de choses. Il a oublié qu'il travaille avec certains fonctionnaires dont il aurait dû au préalable demander la mise à disposition. Voilà. Il n'a pas vu... Parce que quand vous êtes dans une lutte, il ne faut pas seulement avancer comme le troupeau de bœuf qui va à l'abattoir, croyant aller au pâturage. Il ne faut pas seulement avancer. Tu fais avancer des gens. Bon, si tu prends les gars, les journalistes et autres, les Tirindo, ils n'ont aucun engagement avec l'État. Et ils peuvent aller se tenir au Hilton comme ils faisaient hier. Mais vous n'avez vu aucun fonctionnaire tenu là-bas. Parce que les fonctionnaires, la FECAFO passe. La fonction publique demeure. La carrière et tout. La carrière demeure. Voilà. Et je vous en suis, voilà un type de la fonction. Si on vous affecte quelque part, vous ne savez pas ce que ça fait dans vos... Non, c'est... Donc, ils ont manqué de tact. Samuel, qui ne sait pas le faire, aurait dû passer par la négociation. Voilà. En disant, monsieur le ministre, vous êtes passé en force. Vous avez nommé les entraîneurs et autres. Mais reconnaissez que vous êtes allé au-delà. Voici ma part. Et continuer à supplier au niveau des hautes instructions en disant « Je suis sur ma part, qu'on laisse ma part. » Il ne l'a pas fait, il est passé en force. Il a nommé, avant les hautes instructions. Par la suite, des hautes instructions sont venues. Là, c'est par le canal du DCC. Demandant à Samuel de s'approcher du ministre et de clarifier, d'assainir le climat. Samuel, en attaquant, s'est dit « Comme le ministre est à Garoua, il va seulement trouver qu'on a déjà assaini le climat. » Ça veut dire qu'il a doublé notre Samuel. Il y a un élément après la désignation du staff par le ministre des Sports, la FECAFOOT a quand même fait plusieurs courriers au MINSEP pour faire état de ce qu'elle marquait, sa désapprobation, et que décret n'avait pas été respecté ainsi que la convention. Il y a quand même eu C'est vrai que je ne suis pas panéliste. Vous n'avez pas bien suivi ce que Bléru a dit. Quand on est déjà à ce niveau de négociation, ça ne se passe plus par correspondance. C'est ce que j'ai dit que la négociation, ce n'est pas dit. Les correspondances, après, on les écrivait, on les publiait. Voilà. Et elles étaient même. Et ça avait. Elles étaient même outrancières. Voilà. Il y a une correspondance où on parlait en disant je vous parle en français facile. En français facile. On parlait à un ministre en français facile. Maintenant, on revient. Ça, c'est la négociation. Non. Quand tu me parles en français facile, moi, je te parle en français compliqué. Donc, on est donc revenu dans la posture. On a dit la situation. L'attaquant de pointe, le grand marqueur de l'Inter de Milan et autres, a cru pouvoir passer en force. Mais attendez, vous pensez que la République, ça se gère sur Facebook? Voilà. Le ministre n'a tenu aucun compte de la dernière correspondance. Ce n'est pas qu'il ne l'a pas reçue. Pourquoi? Parce qu'elle était viciée. Un collaborateur ne transmet pas des instructions à sa hiérarchie. Voilà. Ici, si le PDG veut s'adresser à vous, j'aime prendre cet exemple. Il ne prend aucun de vos collaborateurs pour qu'il vous transmette les ordres du PDG. C'est vrai. Quand vous recevrez cela même de mort votre plus proche collaborateur, comment vous allez prendre ça? Parce que c'est pour ça qu'on humiliation. On gifle souvent les enfants qui vont dire à maman que papa a dit que. Papa a dit qu'il ne donne pas. On coule. Non. Il ne faut pas faire porter ce genre de nouvelles à un enfant. Alors, l'enfant sage vient et dit que papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Des choses comme ça. Donc, il a pris et il a transmis comme pour dire au ministre que, tu vois alors, il y a les autres instructions ici. Renvoie-moi seulement mes gens que j'ai affectés, que j'ai nommés là et que tu as affectés. C'est la République qui est dans la rue. Donc, dans ce cas-ci, ce qui va se passer et ce qui devrait se passer, c'est de montrer d'abord la grandeur de l'État. Et je conclue en vous disant, et je l'ai toujours dit, pour ceux qui me suivent, moi les combis, Biya aura l'un et l'autre, et toi et toi. Ça, c'est clair. Il va commencer par l'un, il va achever par l'autre. Donc, s'il a commencé par Eto'o, sois tranquille. Ton tour va arriver.
parce que vous avez semé du grabuge. Vous avez semé du grabuge. Aucun d'entre vous n'a eu la hauteur nécessaire pour régler ce problème. Aucun. Mais le ministre peut se cacher, Blériot, en disant que ce n'est pas lui. Non, il a appliqué. Non, non. Le ministre a appliqué les hautes instructions et il les a surfaites. Il les a contrefaites. Il y a mis ses organes. Les très hautes instructions sont parfois larges. Non, parfois ici. Je connais des collaborateurs qui ont été avec vous. Je ne veux pas trahir des secrets. Il y a des gens avec lesquels vous n'accepteriez jamais de travailler à nouveau. Vrai ou faux? Extrêmement vrai. Donc, en nommant Banglouk, le ministre voulait chasser et tout. Monsieur Yemek. Je préfère te le dire comme ça. Yemek, ce que moi je voudrais même dire ensuite, c'est que dans cette affaire, le problème ne part même pas d'abord du MINCEP. Le problème part des personnes qui, au MINCEP, ont fait la liste de l'encadrement en intégrant des personnes avec lesquelles Eto'o ne pouvait jamais collaborer. Donc, en intégrant des gens comme ça, l'objectif était clairement d'ouvrir un pugilat entre la fédération et... Toi, tu parles même, tu as déjà vu Banglouk. Moi, pour montrer, moi, je n'aime pas les amis. Même Banglouk ne veut pas être son ami. Banglouk, comme tu l'as vu hier, au Hilton, peut-être que vous dormiez. Banglouk, c'est le genre de gars dangereux qu'on t'envoie quand on veut te nuire. Le genre de gars dangereux comme ça. Banglouk bénéficie d'une nomination de l'État. Banglouk bénéficie d'une nomination de l'État et il doit faire son job. Je te dis que quand tu vois quelqu'un, son job consiste à aller nuire. Il ne nuit pas. Fait comment pour ne pas être dans l'équipe de l'État. Tout le monde sait comment il est. Le gars, parfait ici. Entre-temps également au niveau de l'administration, le tout n'est pas que nous nous fassions des bises à la bouche, mais nous devons collaborer. Non, il n'y a pas de collaboration possible dans ces conditions. Non. C'est-à-dire que j'ai fait... Vous savez, quand j'étais au groupe L'Anecdote, j'avais fait licencier un jeune homme qui avait cassé les portes des toilettes que je venais à peine de construire. Tout le monde est venu me dire, c'est toi seul que le PDG peut écouter s'il faut qu'on reprenne ce gars. Je leur ai dit que ce gars ne peut pas revenir. Si on le reprenait, moi je démissionnais. Donc, je conclue donc. Parce que là aussi, je donne des conseils à Eto'o, il n'écoute pas. Sam, à Sam, un blé. Dans ces conditions-ci, démissionne. Vous dites? Tu prends le Sam, ça, c'est peut-être mieux pour qu'il suive bien. À Sam, Nyore Moudjam, li. Li est le bé. Voilà. Ça veut dire quoi? Qui dans cette affaire, elle est mauvaise. Oui. Non. Je vous dis, qui quitte cette affaire? Bon, il va appeler son comité exécutif. Voilà. Non, le comité exécutif va commencer à pleurer que pardon, ne parle pas. Mais je lui ai dit que dans cette affaire, ne coupe pas les gens qui te disent qu'ils sont derrière toi. Parce que la balle ne vient pas souvent de derrière. Ah, donc la sagesse a conseillé. La balle vient souvent de devant. Moi, j'avais ceux qui sont devant. La balle ne vient pas souvent de derrière. Nous sommes derrière. Merci beaucoup. Quitte, Nyori. Merci beaucoup, c'est ce qu'il fallait dire ce matin concernant ce feuilleton, concernant ce film à plusieurs épisodes et qui se joue donc au Cameroun entre le ministère des Sports, l'éducation physique, mais également la Fédération Camerounaise de football. De toutes les façons, le match du 8, lui, il est déjà programmé, Cameroun-Cap-Vert, l'essentiel des Lions Indomptables est déjà au Cameroun. J'ai vu le 24 de Dieu, André Onana, venir avec un petit sourire. C'est vrai que j'avais quand même l'impression que ces nombreux gendarmes et policiers dérangeaient un peu Nana. Il se demandait, mais il y a quoi ici? J'ai également vu une Gamale, j'ai vu une Bemo, ainsi de suite. Donc vraiment, ce que moi je peux déjà dire, c'est que bienvenue, chers Lions Indomptables. Moi, je vais supplier les Lions Indomptables, Blériot, qui sont venus pour livrer leur match. Les Lions. Ignorez ça. Ignorez ce qui se passe là. Que ce soit le staff de Kio ou le staff de Kio, vous êtes venus pour jouer pour le Cameroun. Entraînez-vous normalement. Les Lions et le Cameroun, lui, il attend la victoire. Le 8 contre le Cap-Vert et le 11 à Luanda contre l'Angola. Parfait. Ici, oui, si je peux t'accompagner. Oui. Je peux même te rassurer que les Lions sont plus aises. Vous savez. Je ne veux pas trahir trop de choses. Le trop grand charisme d'Eto'o. Fusté parfois. Étouffait beaucoup de lions. Voilà. Et certains de ces lions souhaitaient qu'Eto'o ne soit plus. Affirmatif. Mais comme ils ne peuvent pas affronter Eto'o. Voilà. Non, je te dis donc que les gars là vont jouer seulement pour montrer qu'ils peuvent gagner.
pour l'autre là, ils vont jouer. Bon, moi, je ne suis pas dans cette logique. Moi, je te dis. Ils ne jouent pas pour venir nuire. Non, ils vont. Parce que vous avez vu les gens qu'on a rappelés. Voilà. Non, ne remuons pas le couteau dans la tête. Non, moi, non, je suis un hibou. Ngande est venu. Non, si tu veux parler de Ngande ou bien de Choupo-Moting, vous n'êtes pas venu là parce que vous venez défier et tout. Non, Blérou. Ngande. Voilà, voilà, il est devenu panéliste. Je ne suis pas panéliste. Tu n'es pas venu là pour venir défier Eto. Et si vous voyez bien, Choupo-Moting, tu n'es pas venu là pour défier Eto. Vous êtes venu parce que la République vous a appelé. Venez jouer au ballon. Donnez du plaisir au Cameroun. Il y a un détail que Bureau a relevé. En fait, il s'agit de trouver en cette crise un avantage pour le collectif aussi. Parce qu'il y avait une trop immixion de monsieur le président. Quand tu dis que personne. Voilà. Là où tu présentes là, le joueur. Le PDG vient te dire que personne n'a sa place assurée. Là, il a décidé d'avoir le contrôle de son équipe. Pour présenter là, tu n'as pas la place. Comment gérer, voyez-vous. Les gars sont à l'aise. Merci beaucoup. Hein. Voilà. C'est ce qu'il valait dire ce matin concernant l'actualité sur la FECA Foot. A tout de suite pour la suite. Passons rapidement la parole à Bernard Daubasson pour la dénonciation de ce lundi matin. Parfait, ici aujourd'hui encore c'est un cas social qui va nous interpeller. C'est une maman qui dénonce une situation qui a cours dans sa famille et qui est littéralement affectée par la situation. Alors, elle a deux enfants, une fille, un garçon, et elle s'est séparée du père de ses enfants il y a plus de 25 ans. Ses enfants ont pu se développer et aujourd'hui, ces deux enfants ont plutôt de bons boulots dans deux banques, ici même à Yaoundé. Donc, c'est une famille étonne. Donc, dans deux banques à Yaoundé. Et quand son fils a trouvé le travail à la banque, elle est allée voir ses frères. Elle leur a dit vraiment, c'est bien, mon fils a pu s'en sortir. Et tout, on a eu un petit truc, donc on va offrir un petit repas quand même et faire une messe d'action. De grâce. Voilà, merci, de grâce, une messe d'action, action de grâce. Messe d'action de grâce. Messe d'action de grâce. Et donc, malheureusement, la messe s'est plutôt bien déroulée, mais le lendemain, deux de ses frères sont restés à la maison. Donc, les frères de la maman. Et ses frères ont commencé à blâmer les enfants. Comme vous, vous trouvez le travail, ça fait plus d'un an aujourd'hui, c'est votre mère qui nous informe pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez l'argent, vous mangez seul, votre mère vous a élevé comme ça? Est-ce que c'est bien de manger tout seul quand vous travaillez? Il faut penser à vos oncles et tout. Les enfants sont restés plutôt silencieux, mais un des deux oncles a empoisonné aussi bien la petite fille que le petit garçon, que le jeune garçon. Oui, parce que la petite fille a 24 ans et le jeune a 27 ans. Incroyable. Donc, un des oncles a empoisonné les deux, arrivé à l'hôpital. Bon, actuellement, les deux sont dans le coma. Seigneur. Et la mère a engagé une action, vous voyez, en justice contre ses frères, mais la famille est remontée contre elle en disant, mais pourquoi tu veux tuer tes frères? Les enfants vont s'en sortir. Et même s'il y a quoi, on ne met pas son frère en prison, des choses comme ça. Donc, elle est littéralement décomposée par la situation. Elle est affectée. Et quand elle a commencé à se plaindre au village, elle est allée voir des oracles au village et tout, qui lui ont dit que non, c'est ton frère qui a effectivement fait ça à ton enfant. Et quand on l'a confronté, lui, il n'a pas nié. Il a dit que oui, c'est moi qui l'ai fait parce que je trouve que tes enfants ont eu l'argent et ils ont commencé à manger seuls. Et ce n'est pas comme ça qu'on a vécu chez nous. Chez nous, quand il y a quelque chose, on partage. Pourquoi ils ont de gros salaires, nous, on n'en a pas. Donc, ça crée un désordre total. Elle a voulu savoir si c'est qu'elle fait mal de saisir la police et éventuellement ce qu'on pourrait lui dire face à un tel cas.
Alors, pour l'instant, ils sont toujours dans le coma. Les deux. Les deux sont toujours dans le coma. Ils ont été empoisonnés depuis quand? Ça fait environ 5 à 6 jours. 5 à 6 jours, mais c'est le lendemain qu'ils ont commencé à développer des symptômes. Tout à fait. Oui, et ils sont allés. Mais elle m'a quand même dit que les médecins rassurent que les états sont sous contrôle. Donc, il n'y a pas beaucoup de risques. Le pronostic vital n'est pas vraiment engagé. Docteur Georges, et toi, Yono, votre réaction? Situation vraiment triste, triste et parfait. Parce que lorsqu'on pense que nous sommes dans une société où on se dit qu'il faut non seulement se soutenir, il faut s'entraider, et qu'on vive pareille situation dans une société, que dis-je, dans une localité proche de nous, c'est très très déplorable. Je ne sais pas pourquoi, c'est vraiment la coutume de le dire, que l'homme est méchant. L'homme est foncièrement méchant. Parce que si les enfants travaillent, on vous a dit, ça fait bientôt un an, voilà. Celui qui vient s'en prendre aux enfants n'a pas regardé qu'est-ce que je ne pourrais pas parler à ma sœur, qui est la mère des enfants, pour poser un problème. Qui sont-ils? On nous a donné leur âge, il y a un 18 ans, un qui a 25 ans, voilà. Quelque chose de ce genre. Est-ce qu'ils ont la notion du village? Non, est-ce pas qu'ils du savent tout. Que voilà ce que je dois faire avec mes enfants? C'est comme ça que ça se passe. Rapprochez-vous de votre sœur, la mère des enfants, pour lui demander que, mais, dans nos traditions ici, quand on commence à voir un peu le bout du tunnel ou bien le soleil, vient de temps en temps et... Je pense aussi à nous. Voilà. Mais vous allez parler aux enfants, qu'est-ce qu'ils en savent? Maintenant, la question de savoir, est-ce que elle a bien fait de se rapprocher des instances judiciaires? La première des réactions, c'est que c'est spontané, c'est ainsi que ça se passe quand on est dos au mur face à un malaise grave comme celui-là. Maintenant, peut-être que un peu plus loin peut m'aller, qu'on prenne celui qui a posé l'acte, qu'il soit entendu, et peut-être même on va le déférer, sachant quand même qu'elle a le pouvoir, le contrôle d'aller demander au cas où, parce que tout se joue maintenant entre ses enfants qui sont en détresse, bien que le pronostic vital ne soit pas très très engagé, mais... Docteur, toi vous avez les enfants, non? Bien sûr. Non, parfait. En raisonnant, pensez à celui qui a empoisonné vos enfants. Oui, Blériot. Vos propres enfants. Oui. Pas les enfants du voisin. C'est pourquoi je dis la première décision, c'est celle que je m'en vais encourager en termes de qu'il faut d'abord prendre le monsieur, l'entendre et le couvrir même. Même si après, l'ultime décision va se jouer au niveau de la situation des enfants. S'ils s'en sortent, je pourrais, en tant que vu que ça doit être son petit frère aussi, ou bien son cousin, son grand frère, celui qui a posé l'acte. C'est voilà, façon, son frère. C'est son frère, voilà. Mais non, c'est vrai dans tous nos villages ici, nous sommes tous du centre et parfois du sud, nous sommes de la forêt, où le village n'a jamais pardonné en termes de que, à cause de tes enfants, tu allais faire enfermer là-bas. On parle d'empoisonnement. Hein. Si, j'en viens. Quand j'empoisonne mon enfant, je me dis que ce n'est pas pour lui donner les vitamines. J'en viens, c'est pour qu'il meure. La décision maintenant, c'est que, un, si la santé des enfants est sauvée, s'il n'y a pas de problème. Elle peut m'être sauvée, mais les séquelles. Encore mon père, lui, il a été empoisonné il y a une cinquantaine d'années. Il traîne ça jusqu'à présent. Il traîne les séquelles. mais là, c'est pourquoi je dis, si peut-être l'ascension judiciaire pourrait être en termes de que c'est 10 ans, mais que la mère dise que d'accord, c'est vrai, on demande de pardonner, vous allez, ne m'en voulez pas, c'est ma vision, c'est ma Non, laissez, vous avez voulu être pasteur dans votre vie? On me l'a souvent dit, parfait, on me l'a souvent dit, mais vraiment, ça n'a jamais été ça. Bref, c'est pour dire que ils vont être punis, qu'elle accepte que ces derniers soient punis pour un certain temps et après, voilà. Aimé Cyprien Olinga, nous sommes là au cœur de la sorcellerie africaine. Vous avez deux enfants. Dieu a voulu qu'ils commencent à travailler. Et vos oncles, vos frères, que vous avez d'ailleurs invités pour une messe d'action de grâce. Chez nous, quand on dit messe d'action de grâce, pour nous chrétiens catholiques, c'est qu'après la messe, il y aura à manger et il y aura à boire. Tout à fait. Vous voyez un peu. Mais le lendemain, excusez-moi de mettre comme les enfants et les organes, les deux oncles sorciers
font asseoir les deux enfants, peut-être mal insu de la maman. Bien sûr, certainement. À leur dire comment ils se comportent mal comme ça, ils ont de l'argent, et eux, ils ne les soutiennent pas. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes. Alors, lorsqu'il y a même ce genre de revendication, pourquoi vous ne vous rapprochez pas, comme disait le docteur et toi, de votre sœur? Ben, écoutez, moi, je trouve que la maman, elle a très bien fait de saisir les juridictions. Ces oncles sorciers, méchants, doivent être punis, même si c'est 50 ans de prison. Monsieur, toi, lorsque vous avez, mes frères à moi viennent chez moi, parce que mes enfants ont plus ou moins réussi, je vous invite, parce que nous sommes africains. Tout à fait. Venez, on partage un morceau de plantain ensemble, parce que nos enfants, vous permettez de les empoisonner. Incroyable. Mais vous n'êtes plus mon frère. Non. Tout de suite, je vous considère comme un ennemi. Et alors, vous irez, même si vous devez faire 100 ans de prison, moi, il n'y a pas de souci. Parce que vous avez voulu me tuer, vous avez voulu me détruire en détruisant ma progéniture, docteur. Non. Je crois que ces frères sorciers... Femme n'a que ses deux enfants. Hein. Elle n'a que ses deux enfants. Incroyable. Mais ça veut dire en réalité que c'est même pas des frères, c'est des mercenaires. Des mercenaires. Les sorciers du village. Pour finir, ils étaient en mission. Et quand vous êtes en mission, que vous ne parlez... J'estime que Dieu, et je souhaite d'ailleurs que les enfants s'en sortent. Mais je souhaite que ces sorciers, ces empoisonneurs aillent pourrir en prison. Ils doivent aller pourrir en prison. On ne peut pas tolérer des méchancetés de cette manière. Non. On vous a invité, votre sœur vous a invité. Et justement, je suis d'accord avec... Je dis, mais si vous avez même... Si vous estimez même que la messe d'action de grâce et la nourriture qu'on vous a donnée et la boisson aussi après la messe d'action de grâce n'est pas suffisante, mais rapprochez-vous de votre sœur. Et dites-lui que, bon, au-delà de la messe d'action de grâce, au-delà de la nourriture que nous avons mangée et de la boisson que nous avons bu, dites quand même aux enfants que de temps en temps, ils pensent à nous. C'est tout à fait normal. Et je crois qu'ils auraient eu, en réalité, ces deux sorciers-là, hein, les frères de madame, ne sont pas venus. Pas du tout. Pour chercher à avoir quelque chose. Pas du tout. Parce que d'ailleurs, lorsqu'ils empoisonnent, vous empoisonnez des gens à qui vous revendiquez voilà. Quelque chose. Mais comment ils feront donc dans la tombe pour vous donner cela? Donc en réalité, c'est des mercenaires, c'est des bandits. D'ailleurs, je crois que même si la dame avait la possibilité encore d'arrêter la procédure, moi j'interpelle le procureur de ne pas arrêter la procédure. Même si la dame elle-même veut l'arrêter, il faut que la procédure aille jusqu'au fond parce que le procureur est quand même le... Comment on les appelle? Le ministère public. Il doit engager l'action publique. Mais donc, la miséricorde, elle existe. Hein? Oui, mais la miséricorde a des... Vous savez, Jésus-Christ, à un moment donné... Moi, je suis chrétien, pratiquant, catholique. Mais vous savez, à un moment donné, même Dieu se fâche. Hein? Bien sûr. Vous savez que Dieu a détruit au-delà de Sodome. Il a même encore fait autre chose en dehors de Sodome et Gomorrhe. Le déluge. Il a fait en sorte qu'il y a eu un déluge sur la même terre. Jésus a fouetté les gens. Oui. Il a pris le fouet et il les a fouettés justement dans la donc à un moment donné, même Dieu peut se fâcher. Il ne faut pas que des gens pensent qu'ils vont exercer des méchancetés sur nous. Et que nous allons toujours... En fait, après, on va parler de miséricorde. On va parler de... Il n'y a pas de miséricorde là. Quand en face, vous avez des mercenaires, des voyous, des sorciers. Alors, vous les traitez comme ils sont. Très bien. Vous traitez les sorciers avec toute la rigueur. Et là, dans le cas d'espèce, il faut que la rigueur de nos lois s'abatte sur ce clic de sorciers. Merci, M. Cyprien. Pierre Blériot, de plus en plus sur ce plateau, nous avons des dénonciations qui donnent froid au dos. Et... j'ai la nette impression que bientôt, ce sera difficile d'accepter que quelqu'un entre chez vous. Hein. C'est-à-dire qu'il soit un frère, une sœur, un oncle. Parce qu'on a déjà une trentaine de dénonciations où c'est ton propre frère qui cherche, je vais parler comme au quartier ou comme qui cherche à venir finir avec toi. Ou c'est ta propre sœur qui vient te faire ci. Ou c'est ton père, ou c'est ta mère. À l'allure où vont les choses, Blériot, est-ce que nous allons vraiment encore faire confiance à quelqu'un? Parfois, ici, vous serez étonné que dans la petite affaire Mincep Fekafoot, il y a des frères qui sont prêts à tuer leurs frères
du fait de l'appartenance à un camp ou à l'autre. Ouais. Pour cette affaire-là qui ne les concerne même pas. Où les gars, personne ne gagne rien. Moi, ma première intervention va à l'endroit de la femme. C'est elle qui a livré ses enfants. Comment ça? Parfait. C'est elle qui a livré ses enfants. Qui vous a dit que quand vos enfants réussissent, vous appelez vos frères pour que venez manger et boire? Elle est naïve. Mm-hmm, première chose. Mm-hmm. Non, mais en dehors de ce facteur-là, qui a dit que quand les enfants ont réussi, tu portais les enfants, tu les amènes au village et donnais à manger? Non, qui a dit ça? Seule. Non. Si elle a quelque chose à donner à ses frères, écoutez. Si, oui. Parfait. Parfait. Mm. Je connais ton village. Oui. Quand tu as des choses à donner à tes oncles, tu donnes à papa et toi. Oui. C'est voilà. C'est ça. Voilà comment j'ai la. C'est parce que les femmes aiment se mettre devant. Et quand ton père prend, des fois les gens viennent accuser chez toi qui ne nous a pas tout donné. C'est vrai. Voilà. Mais tu dis, c'est pas mon problème. D'ailleurs, je ne sais même pas la quantité qu'il a donnée là-bas. C'est la première chose. Deuxième chose, quand j'entends le docteur et toi dire la miséricorde. Non. Je ne veux pas tout ramener à moi. Je suis sûr que mes frères en question, c'est moi qui serais en train d'aller en prison. Tu vois, non. Il y a quelques jours que j'aurais abattu ceux qui ont empoisonné mes enfants. Ça, c'est clair. Et moi, en prison. Ça, il n'y a pas... Il ne faut même pas faire de fioritures qu'on a en télévision. Non, non. Et je dis à mes enfants, si quelqu'un ne s'entend pas avec ton père, tu peux créer les amitiés avec celui-là. On te tue là-bas, c'est ta mort. D'ailleurs, c'est lui qui va t'enterrer. C'est lui qui t'a tué. Parce que quand quelqu'un combat ton père ou ta mère, il ne va pas t'aimer toi-même. Ne crois pas qu'il peut t'aimer toi. Ces gens-ci détestent leur soeur depuis longtemps. Ils ont voulu la priver de la nourriture que Dieu lui a donnée. Si elle a la chance que ses enfants survivent, qu'elle prenne toutes les précautions et qu'elle ait ce village-là. J'arrive au village, quelqu'un me conseille de ne pas punir ces criminels. ce sera qui? Qui se rentre? Est-ce qu'on a creusé, on a ouvert les prisons pour les bœufs? Non, c'est pour les humains qui ont quitté la route. La prison, moi je vois pas la prison, ce n'est pas comme si... Non, ton frère a empoisonné tes enfants. Prenons le pire des cas, ces deux enfants meurent. Le deuil va se tenir où? On va pleurer comment? Et le village qui prétend... Non, un vrai village, mais c'est de là dans le bannissement. Tout à fait. C'est pas ça. Mon bon, mais déjà, des gens qui ont tué leur neveu. En Afrique, la sorcellerie ne tue pas le neveu. C'est vrai. Ne tue pas le neveu. Les gens qui ont tué leur neveu, vous les mettez dans le bannissement. Et dans le bannissement, là, vous faites le rituel qui consiste à les tuer. Les deux, là, ils doivent disparaître. Ils doivent devenir fous. Et vous devez les castrer. Les gens qui ont... Merci beaucoup. Hein. Lisons les messages. Bonjour au pape de la modération camerounaise et à tout ton panel. Par rapport à la dénonciation, on n'a pas besoin de maturité, encore moins des conseils juridiques ou religieux pour agir. Que cette femme, au-delà de faire condamner ses frères, qu'elle s'arme à la traditionnelle pour combattre le reste de la famille qui voudra intervenir mystiquement pour finir avec elle. Et moi, je m'arrange encore et aussi que vous perdez la vie en prison. C'est tout. Autre message, on part au 221. Alors, j'ai envie de prendre le 221, mais il veut s'enfuir. J'autorise un cher 221. C'est fait. Au 221, c'est quel pays, Blériot? Le Sénégal. Le Sénégal. Bonjour, monsieur Aïssi et toi, à tout votre panel. Monsieur Niemek a été positif ce matin dans son analyse au sujet de cette crise MINCEP et FECAFOOT. Monsieur Mollet et Monsieur Eto ne sont pas des enfants de cœur. On doit les dégager. En plus, il n'y a pas de cohésion dans l'équipe et comme les deux protagonistes ne peuvent pas s'entendre, autant suspendre le Cameroun et que le président de la République les dégage. Monsieur Mollet va s'occuper d'une autre fédération et finalement terminer le stade Olembe. Quant à Eto, il ira chez sa belle famille conseiller l'équipe nationale ivoirienne. Qu'il laisse le foot. Tous les deux, ils ont raté. Deux fils Sawa, la honte. Bonne continuation. C'est signé Kidi. Allons au plus 33, c'est la France.
Bonjour Lofo Sokoudjou de la modération, qui règne sur tous les petits Bobda de la modération. Concernant la dénonciation, je pense qu'il est urgent qu'on arrête cet oncle vampire et qu'on le ferme dans la même qu'on l'enferme dans la même chambre que Bobda pendant une semaine. Au sorti de là, il n'aurait plus non seulement le courage, mais aussi la force de faire ce genre de méchanceté extrême. Concernant la série intitulée La bataille du blé, concernant l'OMINCEP et la FECAFOOT, je pense qu'il est urgent que le président, qui est celui qui donne les hautes instructions, siffle la fin de la récréation. Sinon, en 2025, c'est nous le peuple qui aurons le sifflet. Stéphane du Château Rouge, c'est en France. Autre message ce jour, bonjour, alors, les relations MINCEF et CAFOOT étaient déjà bien au calme jusqu'à ce que le président Paul Biya revienne s'aimer le trouble avec son discours du 10 février. Je pense que vous êtes dans la blague. Alors, autre message ce jour. Bonjour, le Owenangini de la modération. Bonjour ouais. Également au plateau. Perfecto, je tire un très grand coup de chapeau à mon idole, Pagnemek. Ce papa est lucide. Je ne comprends pas comment les Camerounais sont aussi aveuglés et zombifiés. Le consultant a une bien meilleure approche de cette situation. FECAFOOT MINCEP. Parfait, pardon. Ne nous invite plus les gens comme Fabien Bobo sur ton plateau. Perfecto, ce père de Bobo là avait dit un jour que lorsqu'on entraîne les équipes jeunes, on n'a pas obligation de résultats, que le plus important c'est de voir les performances. Une vraie dinguerie, Massa. Bonne journée à vous. C'est Vladimir de Kumbo dans le nord-ouest du Cameroun. Autre préoccupation très rapidement, nous partons au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le SGPR de la modération. Perfecto, pourquoi Blériou Niemek n'a accepté le pari qu'un panéliste lui a mis hier? Nous avons vu un homme âgé hier sur Libre Expression jurer qu'il a des documents avec lui où le président a validé le staff de la FECAFOOT et que c'est ce staff qui ira au stade. Franchement, certains aînés pensent que la veste et la cravate rendent intelligent et crédible. Pour la dénonciation, est-ce que le panéliste sur le plateau qui parle de la miséricorde de la MMC, sérieux, qu'est-ce que vous savez de la miséricorde, monsieur? Vos paroles ressemblent aux paroles des gens qui font des activités dangereuses. Vous semblez apporter votre solidarité et votre soutien à cet oncle empoisonneur. Qu'est-ce que vous justifiez même, monsieur? Moi, à la place de cette femme, j'empoisonne aussi ses enfants et je finis avec cet oncle en retour. Lisons peut-être deux dernières préoccupations. Hein. Bonjour Perfecto, le docteur est un grand blagueur. Si la femme demande qu'on libère ce frère, dans la mesure où les enfants ne sont pas morts, ils ne vont pas les rater au deuxième tour. Ces sorciers doivent être punis à mort. Malheureusement, c'est la maman qui a naïvement livré ses enfants. Je reste de Douala. Autre préoccupation ce jour, allons du côté du 240, c'est la Guinée équatoriale. Bonjour le plateau le plus regardé du Cameroun. En proverbe togolais dit que lorsqu'un troupeau de bœufs se dirige vers l'abattoir, il est habité par l'illusion qu'il va au patrouillage, au pâturage. Question, c'est qui le bœuf? C'est où l'abattoir? C'est où le pâturage? Fabien Bobo répondait non pour la dénonciation. Ses oncles doivent être castrés. Jules Hervin Fomo depuis Bata en Guinée équatoriale. A tout de suite pour la suite. 15 candidats, filmés 24 heures sur 24, pendant 8 semaines, dans la maison des secrets. Saurez-vous garder le secret? Inédit, Secret Story arrive le samedi 15 juin sur le canal 99. Et dès maintenant, le décodeur HD est à 5000 francs à partir de la formule Access. Profitez-en vite! C'est tout pour le moment. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Et si ta solution venait de la Masso? Je m'appelle Mancho,
épouse Numbissi. J'ai gagné le village. Je ne m'attendais pas, puisqu'il y a des milliers de personnes qui ont... Il y avait des milliers de noms dans le box là. Deviens propriétaire d'une villa à partir de 100 francs CFA. Renapro Finance SA, acteur majeur de la microfinance au Cameroun depuis 1996. Pourquoi les Chinois vivent-ils longtemps? Voulez-vous garder votre santé comme les Indiens? La solution est désormais connue à moindre coût par le docteur Clément Yves Oulimi, spécialiste en médecine chinoise. Après avoir fait ses études en Chine et traité avec succès plusieurs maladies telles que le rhumatisme, le mal de nerfs, l'hypertension, l'infertilité, les MST et bien d'autres maladies rares, il débarque au Cameroun avec un personnel qualifié, des appareils de massage appropriés qui équilibrent et vous garantissent une santé de fer. Il met sur pied un laboratoire moderne et une pharmacie 100% bio, sans effets secondaires, à la valeur de vos moyens. Une salle VIP pour l'accueil des patients. Le standard répond au 691 19 87 68. Siège social Yaoundé, Cameroun, derrière la basilique de Volier. Vous êtes en direct sur Info TV dans le cadre justement de son programme Espace Miné, 10h-11h52. Pendant 2 heures de temps, nous vous offrons une autre manière de faire la télévision. On le disait en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt pour évoquer la situation ayant trait à la transparence électorale en Afrique. Quel regard posez-vous sur la transparence électorale? Avez-vous l'impression que l'Afrique, de manière claire, a gagné le pari de la transparence lors des consultations électorales? Je pose d'abord la question à l'homme politique qui est sur ce plateau, Aimé Cyprien Olinga. Quel est le regard que vous posez sur la transparence électorale? L'Afrique, pour l'heure, a-t-il gagné ce pari? Parfait. Ici, lorsque vous observez effectivement avec un œil averti le fonctionnement de la démocratie en Afrique, je pense que la réponse coule de source, parlant de la transparence, qu'elle n'est pas encore au rendez-vous des consultations électorales sur notre continent. Peut-être pour deux raisons. On peut trouver d'autres raisons. La première raison, c'est que la plupart de nos pays, surtout en Afrique francophone, n'ont pas réussi le pari de la pleine souveraineté. Et j'ai des amis également qui sont en train de travailler sur un programme qui devra s'adosser au programme révolutionnaire de redressement national, qui est le programme politique de notre parti, qui sont en train de piocher, si vous voulez, de réfléchir sur un autre pan bien précis du fonctionnement de nos États. Et un m'avait dit il y a à peu près 2-3 mois, président, vous savez, il est très difficile de faire la démocratie dans une néocolonie. Je pense que, même si je lui ai pas donné entièrement raison à l'instant, j'ai pris le temps de réfléchir. Je pense pour ma part qu'il n'a pas totalement tort. Il est très difficile de faire la démocratie dans une néocolonie dans la mesure où la plupart des chefs que nous avons dans des pays qui ne sont pas libres, qui ne sont pas indépendants, sont des chefs que les peuples n'ont jamais choisis. Ils sont choisis quelque part. Et ceux qui les ont choisis quelque part en dehors de nos peuples s'arrangent à ce que ces messieurs-là et dames restent en place, ad vitam aeternam. Et ça se constate. C'est-à-dire que le peuple a beau vouloir changer les choses, mais lorsque le préfet ou le sous-préfet, le préfet peut-être encore le gouverneur qui est en place, chef d'État, et là, il estime que, bon, ben, tant qu'il est toujours dans les bonnes grâces
n'est-ce pas, de ses patrons qui ne sont pas le peuple, parce qu'en principe, dans une démocratie, c'est le peuple qui est le patron du chef de l'État. Mais lorsque le chef de l'État sait pertinemment que son patron se trouve ailleurs et que c'est à lui tout seul qu'il doit rendre des comptes, le peuple a beau crier. Et c'est pour cette raison que vous voyez des situations comme celles que nous venons de décrire. D'où vient-il quand même que 42 ans après, nous avons un chef d'État qui est là depuis 42 ans. Le peuple crie, les gens chantent, on dit qu'il y a du désordre. Il faut mettre un terme à ça. Il faut véritablement sortir du bois pour démontrer que vous pensez que, mais c'est pour rien que le président Paul Biya est soutenu ou bien maintenu au pouvoir par la métropole. Ce n'est pas ce que j'ai dit, mais je ne suis pas loin de le penser également. Avez-vous l'impression que les relations entre le président Paul Biya et par exemple celle de la France soient toujours au beau fixe depuis une dizaine d'années? Bon, si vous dites depuis une dizaine d'années, je peux être d'accord avec vous que depuis une dizaine d'années, on voit quand même des signes, n'est-ce pas, de quelqu'un qui veut s'affranchir. Mais tout compte fait, tout le monde sait quand même qu'au départ de cette affaire, au début, c'était l'homme de la France, il faut le dire ainsi. Il avait même été présenté comme étant le meilleur élève de Mitterrand. Voilà, il s'était présenté comme étant le meilleur élève du maître Mitterrand, entre guillemets. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai dit, il est très difficile justement de faire la démocratie dans une néocolonie, parce que les décisions se prennent ailleurs. Ça ne se prend pas là où vous croyez avoir le centre des décisions, parce que dans une république, le centre des décisions se trouve à la présidence de la République. Mais si le président lui-même, donc, dans les systèmes néocoloniaux qui gouvernent nos États, doit aller rendre compte, et il vous souvient que le président de la République, et ça, moi, ça m'avait choqué, l'a dit le nom. Peut-être que vous avez mal compris le chef de l'État. J'ai très bien compris. Et il l'a déclaré il n'y a pas très longtemps. Et je crois que ça fait même pas encore 5 ans. Je suis venu rendre compte des conclusions du grand dialogue. L'expression rendre compte peut être polysémique, mais c'est rien. Non, j'ai dit que prendre ça à la lettre. Non, j'ai dit qu'il l'a dit quelque part. Il l'a dit, ça fait pas très longtemps. Je suis venu rendre compte au président de la République. Vous venez rendre compte sur un débat qui se passe chez vous. Est-ce que c'est normal? Vous venez, on va rendre compte à un patron. Et moi, je dis que justement, si la démocratie, si vous voulez, la transparence a encore beaucoup de chemin à faire sur notre continent, c'est parce que la plupart de nos chefs d'État, entre guillemets, ne sont que l'émanation de la volonté des puissances tutélaires ou des puissances coloniales qui ont dirigé nos pays. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire avec les nouvelles générations, et c'est pour ça que dans le système que pour lequel nous nous battons, le panafricanisme, on le voit avec les nouveaux dirigeants sénégalais, on le voit avec nous. Moi, je suis de ceux qui pensent effectivement, nous devons nous affranchir, nous devons acquérir la pleine souveraineté de nos États, et nous devons nous affirmer. Et de ce point de vue-là, quand nous aurons véritablement le contrôle effectif de nos États, nous allons implémenter des politiques de démocratie qui feront en sorte que effectivement la transparence soit au rendez-vous, afin que c'est celui qui est choisi par le peuple qui soit proclamé élu. Merci beaucoup. Hein. Alors, comme nous parlons de la transparence en Afrique, Aimé Cyprien a d'ailleurs commencé à parler de plus en plus de ce pays exemple, de ce pays modèle sur le plan de la démocratie en Afrique. Docteur, je vais parler du Sénégal. Il y a quelques mois, une élection a eu lieu de ce côté et on a vu comment Diomaye est arrivé au pouvoir. S'il n'y avait pas transparence dans ce pays africain, il ne serait jamais arrivé au pouvoir. Est-ce que c'est pas la preuve par neuf qu'au-delà de tout, l'Afrique fait des progrès? Merci beaucoup, parfait. C'est la thématique retenue, je voudrais le relever. C'est ce qui est un tout petit peu en droit de ligne d'une analyse faite dans un ouvrage il y a près de 6 mois, où je parlais plutôt de la contestation des élections en Afrique. Voyez-vous, on ne saurait parler de transparence électorale sans contestation. Ce qui m'amène aussitôt, avec le respect que j'ai pour mon copanéliste Cyprien Olinga, à relever quand même que votre analyse, vous avez semblé esquiver, vous inscrivez dans la logique, dans la continuité de ces dirigeants africains qui sont promptes à parler de contestation, de non-transparence et tout ceci sans toutefois voir exactement le mal à la racine d'où il vient.
Monsieur Cyprien, vous parlez, vous avez évoqué assez d'aspects, les relations néocoloniales, l'absence de maîtrise et de contrôle du pouvoir, à part des gens en fait qui sont... C'est pas de ça qu'il est question, monsieur Cyprien. Quand on parle de transparence ici, qu'est-ce qui fait en sorte que votre parti, je crois que c'est les... FDR. FDR se retrouve demain en train de dire qu'il n'y a pas eu de transparence aux élections. Comment vous êtes préparé, monsieur Cyprien, dans ce parti? Première chose. On parle aujourd'hui, par exemple, de l'inscription massive sur les listes électorales. C'est par l'inscription massive, par exemple, aux listes électorales que le parti peut être prompte à combattre cette sorte de transparence qui pourrait se poser demain au cas où les résultats étaient posés. Vous avez pris le cas du Sénégal, parfait, pour exemplifier. Le jeune président, l'un des plus jeunes d'Afrique, aujourd'hui au Sénégal, doit sa victoire par une mobilisation forte d'abord. Même s'il y a tentative de manipulation ici après, le fait que les militants, les Sénégalais, se soient investis, inscrits pour aller se prononcer en faveur de ce monsieur, même si vous devez changer les résultats après, vous vous rendez compte parfois quand même qu'ici, il n'y a pas une marge de manœuvre importante pour toucher un peu ces résultats. C'est un acte qui permet ici de vaincre les fraudes et manipulation des scrutins. Preuve de la transparence. C'est pour dire que dans notre milieu aujourd'hui, je m'en vais répondre un peu en commençant par, en fait, comme vous l'avez si bien fait, il serait tôt de dire que la transparence électorale est une réalité en Afrique. Non, on ne peut pas l'affirmer déjà. Parce que quoi? Partout où les scrutins se sont tenus, parfait. Dans presque tous les pays d'Afrique subsaharienne où on a eu des élections, on crie le plus vite et rapidement à l'absence de transparence électorale. On crie vite, pourquoi? Parce que les gens ne regardent pas à l'origine que nos partis qui vont là, est-ce qu'ils se sont préparés? Comment se sont-ils préparés pour aller défendre leur voix? Bon, il y a également des cas, hein, docteur, je vous relance à ce niveau, oui. Où même ces partis se sont préparés, notamment les partis de l'opposition, mais le parti au pouvoir, tellement ancré au niveau de la machine politique du pays, biaise tout. J'en viens parfait, c'est un élément. Et quand l'opposition veut se soulever, on sort les armes. J'en viens parfait. Je vais maintenir et soutenir que l'élément que vous relevez n'est pas totalement faux, mais le contrôle du terrain, le contrôle des différents postes élection ou tel, il est important que les formations politiques se préparent bien. Voyez-vous, dans notre cas, dans notre environnement camerounais par exemple, si on exemplifie en prenant 300 bureaux de vote, certains partis politiques n'ont pas encore cette maturité fonctionnelle qui voudrait que si nous avons 300, préparons-nous comme il se doit pour couvrir primo tous les 300 bureaux également. Alors, cet argument, hein, je l'entends à chaque fois que j'organise ce genre de débat. Et je pose souvent une question, et c'est ce que Aimé Cyprien, le fait que vous le disiez toujours à mon vision, docteur, les partis d'opposition, par exemple, Cameroun, ne peuvent pas couvrir, être représentés dans tous les bureaux de vote. C'est vrai que vous justifiez les frais. J'en viens parfait. Est-ce que Elekam n'est plus objectif pour défendre en même temps l'opposition et le parti au pouvoir? Je voudrais dire parfait que dans notre environnement, c'est comment les élections, les scrutins et autres se préparent et s'organisent. Et les Kama peut être un représentant qui couvre tel bureau de vote. Il a un représentant dans tous les bureaux bien, de vote. À côté de ça, chaque parti politique représenté dans un bureau bien qui est présent aux élections a le droit d'avoir un représentant également. Bien sûr. Maintenant, je ne voudrais pas justifier quelqu'un que... Quel est le rôle de l'ECAM? L'ECAM est un organe indépendant tel que nous l'avons souhaité, qui devrait être l'arbitre impartial. J'en viens. L'ECAM est là, et même si, parce qu'un parti politique, même si l'ECAM est là, le parti politique doit défendre ses voix. Oui, on est d'accord. Oui, disons, au cas où le parti n'est donc pas représenté. Oui, que doit faire l'ECAM? Et l'ECAM doit garantir, doit s'assurer du bon déroulement des élections. Et le bon déroulement des transparences. Oui, en toute transparence. Maintenant, ceux qui viennent crier parfait qu'il n'y a pas eu transparence ici se basent sur quoi, d'habitude? Vous n'êtes pas présent dans une localité, vous n'êtes pas présent dans plusieurs localités, vous vous contentez d'être dans certaines grandes villes. Et demain, l'élection se passe par exemple à Biombo dans l'Anvila, ma localité d'origine. Vous viendrez parler de contestation électorale ici. Vous y étiez? Non. Avez-vous des représentants? Non. Sur la base de quoi?
Non, mais c'est un moment là. Non, et je le sache. Et même Cyprien. Non, je suis d'accord. Le bon parti politique, oui, il n'y a pas de bon. Il n'y a pas de bon parti. Ce sont dans ces partis qui tuent. Quand vous ajoutez bon à parti, quand vous ajoutez bon à parti, le bon parti politique est organisé. Oui, je suis. Organisez-vous. Ça frise. Ça organise des séminaires. Organisez une sensibilisation. Allez sur le terrain. Oui, mais est-ce que c'est ça qui garantit la transparence? Nous avons des éléments qui majoritairement garantissent la transparence. Non, je vous le dis. Non. Merci. Hein. On, non, a suivi, monsieur. On a suivi Messi pour rien du FDR et Docteur et toi du RDPC. Lui-même l'a dit. Hein. Mm-hmm. C'est bien que chacun se. Je suis membre de la section. Qui justifie l'affaire. Je suis membre de la section RDPC. Voilà. D'accord. Voilà. Blériot Niemek, nous parlons fondamentalement de la transparence électorale en Afrique. À votre avis, qu'est-ce qui ferait encore problème pour qu'il n'y ait pas encore une meilleure transparence sur le plan des élections dans bon nombre de pays africains? Bon, si vous vous intéressez au gouvernement par la négligence et à perpétuité, certains pays africains constituent de vastes laboratoires. Des satrapies qui s'éternisent. Le gouvernement, par la violence et l'intimidation, sont observables. Mais les peuples, dans la plupart des cas, ne sont pas encore prêts à procéder à la mutation. Vous voyez, le Cameroun n'est pas si vaste que ça. Et le sommier électoral du Cameroun est connu dans ses plus grandes bases. Pour surveiller l'élection, l'opposition n'a pas besoin d'être même dans tous les bureaux de vote. On connaît, parce que nous sommes un pays, par exemple, qui subit une forte poussée des villes et un recul des villages. Le phénomène de l'exode rural, nos villages sont vides. Je vais dire à Cyprien et aux autres que pour surveiller votre vote, vous savez les principaux points qu'il faut surveiller. Absolument. Absolument. Ils constituent 80% de l'électorat et l'opposition peut les couvrir. Seulement notre opposition et le peuple n'ont pas encore fait corps pour que ça change. Voilà. Vous voyez, en 92, qui surveillait les élections? Ah oui. Qui? Parce que voilà, les gens, on nous dit toujours qu'il faut surveiller. L'inscription. Non. Qui surveille? Non, on avait surpris le RDPC. En 92, nous n'avions même pas encore d'organes indépendants pour organiser les élections. On avait surpris le RDPC. Le RDPC n'avait pas encore mis sur pied la machine qu'il a aujourd'hui. Mais aujourd'hui, le peuple n'est pas prêt. Nous n'avons pas un peuple prêt. Mais Blériot, il y a un élément quand même, avec ta permission. Oui. Je pense que vous évoquez le cas de 1992, oui. Où on avait eu, bref, on le reconnaît. Une presque victoire de l'opposition. Voilà, et de deux, il y avait être illégal, une implication massive des Camerounais au vote. Mais on a dû, Donc, on a réussi à dépolitiser les Camerounais en leur montrant que si vous mettez un bulletin rouge, il sort blanc avec la flamme. Voilà. C'est-à-dire que on a dit ça à une fille, une femme Bassa qui voulait voter l'UPC. Elle dit que son fils lui a dit de mettre la crabe. La crabe avait le truc rouge. Et dans le bureau de vote, le président du bureau de vote lui a dit « Maman, tu vas mettre la crabe rouge. Quand ça va sortir, ce sera tout blanc avec la flamme au milieu. » C'est le RDPC qui va sortir. Ce n'est pas celui qui vote qui gagne l'élection, c'est celui qui compte les voix. Et c'est celui qui proclame. Non, mais le peuple n'est pas encore prêt. Je vous ai dit, le peuple est encore derrière les opposants. Il faut qu'il se mette devant. Quand il sera prêt, la chose va se passer simplement. Il n'y a rien qui arrête un peuple qui est déjà prêt. Donc, pour le moment, nous devons encore, nous allons encore subir notre fainéantisme nous-mêmes. Le jour où nous serons prêts, nous allons traverser. Non, mais Blériot, on relève un élément. Moi, j'insiste là-dessus. De nos jours, quand on parle de... Je ne sais pas s'il y a une élection où on a difficilement parlé... d'inviter les Camerounais à s'inscrire massivement. Non, même si vous vous inscrivez, je connais des zones où l'autorité administrative a empêché au peuple de surveiller le L'autorité non, empêche comment on peut... Non, on vous met dehors, simplement. Vous devez évacuer. Oui, c'est exemple. D'autres techniques consistent à pousser l'élection au-delà de 18 heures,
à fermer les bureaux de vote à 19h et à couper la lumière. Je pose encore. Une fois qu'on a coupé la lumière, les gens sont en débandade, on commence à faire n'importe quoi. Non, on connaît bien ça. L'élément que je salue dans votre analyse, de votre analyse, tient au fait que le peuple n'est pas encore assez. Il n'est pas prêt. Parce que le peuple est prêt, tu coupes la lumière, il y a suffisamment de téléphones. Il y a des manifestations et tout qui se passent. Non, on ne sait pas d'accord. Mais de nos jours. Je vous cite quelques peuples prêts. Les Bamoun sont prêts. Vous voulez être bon combien? Non, ils sont prêts. Dans quelle localité? Non, ils sont prêts. Là-bas, voilà, là-bas, quand tu es même sous-préfet, toi, tu viens seulement voir. Bien sûr, bien sûr. Mais maintenant, Béron dit encore que invitons les formations politiques qui veulent s'engager dans ce jeu. D'abord, à bien s'organiser. Lisons quelques messages. Hein. Un bonjour spécial, et là nous sommes au 213, c'est l'Algérie. Un bonjour spécial ce matin à Blériou Niemek. Tu es un homme qui voit le mal venir et tu es l'un des seuls Bassa qui aime réellement Ito. Blériou, je t'ai dit d'entrer dans le MRC. Laisse tes choses de l'UPC là. L'UPC est un état d'esprit. Je te conseille de te battre pour l'UPC et non pas pour les UPCistes. Le MRC a en lui l'esprit de l'UPC fondamentaliste. Présente-toi pour être député MRC dans le Yon-Ekele. C'est le seul moyen pour toi de garantir la continuité de l'esprit UPC. Parfait, ici, la réponse à votre question du jour se trouve dans l'exposé de Maurice Kamto intitulé « La décolonisation inachevée » que j'invite Blériou à aller lire. Tout est dit là-bas. Autre message ce jour, on prend donc celui-ci, c'est Madame Rosine Achouawo à Yaoundé qui envoie ses messages. Bonjour Monsieur Parfait Haïssi, j'ai besoin du contact de Bernardo pour une dénonciation. Merci et bonne émission à vous. Vous connaissez déjà là où Bernardo travaille. Hein? Il travaille à Info TV et nous sommes situés à la descente Foulane à côté de la gendarmerie. Bonjour à vous Monsieur Parfait Haïssi, j'ai une préoccupation qui me dérange. Dites dites-moi, avec ce genre de désordre à l'Africa Foot, et vous voulez que les binationaux viennent jouer au Cameroun? Non, c'est pas normal. Moi, je soutiens Monsieur Eto'o de ce qu'il fait. C'est celui là qui, le seul maître, le ministre des Sports, n'a rien à faire à l'Africa Foot. C'est Daniel qui envoie le message. Autre préoccupation ce matin, bonjour le Perfecto, depuis que notre pays est sur procuration, rien ne marche partout, c'est une conséquence directe à la FECA Foot, le karma. La démocratie n'existe pas au Cameroun, le peuple est ignorant et peureux, et pourtant c'est le peuple qui choisit son dirigeant dans les pays sérieux. Au Cameroun, tu lèves la tête, on te fait disparaître mystérieusement. J'ignore un balai depuis Ebolawar, même le coup d'état n'est pas envisageable ici. Pourquoi toi tu penses d'abord au coup d'état? On te dit qu'il faut surveiller le vote. Toi tu fais les choses. Est-ce qu'il y a eu coup d'état au Sénégal pour que Diomaye devienne président? Autre message, on part au plus 33, c'est la France. Bonjour Perfecto et à ton panel. Notre Cameroun Comedy Club nous a encore livré des scoops ce matin. J'avais commis une tribune sur la nuit des longs couteaux et au fur et à mesure qu'on se rapproche du 19 juin, date à laquelle le père nous avait donné rendez-vous dans 20 ans, les gars ressortent les bazookas pour instaurer le règne du chaos et de la sauvagerie. On a envie de croire que le pays est debout, mais hélas, je pense qu'on n'est plus aujourd'hui dans l'institution de la crevettonie. Perfecto, la République est à genoux, la rue a été institutionnalisée et ça n'émeut pas les passionnés. In fine, je pense que comme la récréation ne peut plus être sifflée, mieux on gâte et on va arranger après. Pour la dénonciation, je suis d'avis qu'il faut minimalement castrer ces gars. Ce sont des évêques du mal. Pour la thématique, quand mon oncle Abina Dagobert est souvent lucide après 6 bières évaporées, il dit souvent que le Cameroun être le laboratoire de la transparence démocratique, et c'est vrai, la vraie vérité. Famio Tama. Son oncle, abris-toi bien. Et bien, Cyprien, les gars, pour le cas du Cameroun, avez-vous l'impression que nous avons évolué pour ce qui est de la transparence électorale?
Monsieur, ici, nous n'avons pas évolué et c'est ça qui me pose un problème. Ça m'a toujours posé un problème. Et le FDR, mon parti, s'est toujours battu en disant que la première bataille que l'opposition camerounaise doit remporter avec le soutien du peuple, c'est celui justement de la transparence électorale. Parce que lorsque nos institutions pourront nous garantir des élections libres, transparentes, équitables et crédibles, le reste suivra. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis une trentaine d'années, nous nous sommes toujours opposés à participer à des élections qui ne sont pas organisées dans les canons requis pour qu'on ait des élections libres, transparentes et équitables. Mais nous avons très bien compris qu'à la fin de ce système, il faudra malgré tout être de cette bataille-là. Vous savez, et vous l'avez très bien dit, dans les années 90, nous avons eu un souci. Parce que en 90, après le retour au multipartisme, parce que on signale quand même qu'à l'indépendance, le Cameroun oui. était dans un système multipartiste. C'est vrai, il y a des faits qui le démontrent. Et on est arrivé au parti unique en 1966. Et puis, jusqu'à l'époque, mon père m'a souvent raconté, il y avait les partis d'André Marim Bida, oui, le PDC, on appelait ça Nomko. Voilà. C'était le COP. Il y avait des élections. Donc, c'est après, c'est qu'il y avait quelque chose à faire. Les élections étaient pluralistes. Ouais, voilà. Donc, on est rentré dans le parti unique en 1966, lorsque M. Aïdjo avait estimé qu'il va falloir que les Camerounais se réunissent au sein d'un grand parti. Et je dois dire que on nous a souvent dit, et à moi, j'ai certains conseillers qui m'ont souvent dit que ça avait créé des problèmes. C'est-à-dire que certains responsables de parti avaient refusé. Aïdjo les a forcés, c'est-à-dire ceux qui ont résisté, on sait le sort qui leur a été réservé. Et le nom était évocateur. Union nationale camerounaise. Alors, tout le monde se retrouve dans cette union. Voilà. Pourquoi tu veux être en dehors de l'union? Il a donc imposé l'union, même aux gens qui ne voulaient pas l'union, qui voulaient continuer à être. Non, ça avait même commencé par l'union camerounaise. UC avant. Mm-hmm. Mais sauf que quand il y avait UC, évidemment, il y avait encore d'autres étaient tolérés. Tout à fait. Mais c'est quand c'est devenu UNC que les autres. On était la junta nationale. Voilà. Donc. Parce que précisait, peut-être faut-il vous le dire, que même les fœtus étaient membres de l'UNC. C'est ce qui se disait. Et qu'apparemment, même les fœtus votaient. Voilà. Les fœtus étaient membres de l'UNC. Et votaient l'UNC. Et même nos ancêtres étaient membres de l'UNC. À partir de ce moment, lorsque nous sommes revenus au système pluraliste et multipartiste en 92, avec les vents de démocratie qui sont partis de l'Europe et de l'Est, alors, les peuples ont estimé que c'est le moment à nouveau d'affirmer leur souveraineté, parce que cette souveraineté avait été mise entre parenthèses avec le parti unique en 66. Et le pouvoir en place n'avait pas encore mesuré le degré justement de la volonté du peuple à s'affranchir de sa dictature. Et c'est pour cette raison qu'après les élections qui ont été organisées par le MINAT à l'époque, on a vu que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir a perdu la majorité. Ils se sont retrouvés avec 88 députés sur 180. Ils étaient obligés de faire des alliances. Des alliances. On a vu avec l'élection présidentielle où ça s'est dit. D'ailleurs, nous avons vu des rapports sortis même par certaines chancelleries qui démontraient que le président de la République actuelle n'avait pas gagné. À partir de ce moment, le pouvoir ayant été surpris, parce que moi je connais, hein, je connais des gens qui me l'ont dit, des apparatchiks du pouvoir, qui ont dit, ces gars ils nous ont surpris en 92, et nous ne voulons plus jamais nous mettre en situation de difficulté, où nous serons obligés d'aller négocier les alliances. Parce qu'ils estiment que ça a été très pénible pour eux-mêmes, parce que même avec le fait qu'ils... C'est à ce niveau-là que l'UNDP les a vraiment aidés. Hein. L'UPC également, l'UNDR, l'UPC par la suite, l'UNDP après. Donc, à partir de ce moment, ils se sont dit qu'ils ne voudront plus jamais se mettre dans cette situation de ballotage. Et ils ont donc entrepris, à partir de 92, à concevoir des lois électorales qui verrouillent absolument le système électoral. Est-ce que vous savez, monsieur Parfait Aïssi, qu'en 92, lorsque les élections législatives étaient proclamées au niveau des départements, ouais. Mais aujourd'hui, on vous dit, tout doit être proclamé au niveau du Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que justement, il faut bien qu'il y ait des manipulations entre temps. Si
C'est vrai que vous n'avez pas suffisamment d'éléments hein, pour montrer qu'il y a des manipulations entre-temps. C'est vous qui le dites. Nous, nous avons des éléments. Et je vous dis donc qu'en 92, on est arrivé à des situations où l'opposition a gagné la majorité à l'Assemblée nationale. Parce que justement, il y avait un certain nombre de critères de transparence qui ont été changés par la suite. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que les juges au niveau, c'est les juges hein, au niveau des départements qui étaient les présidents des commissions pour proclamer les élections, ça ne se proclamait jamais à la Cour suprême. Seule l'élection présidentielle était proclamée à la Cour suprême. Et que ce soit au niveau des municipales ou des législatives, ça se proclamait au niveau du département et ça s'arrêtait là. À partir donc de ce moment, ils ont très bien compris que il faut verrouiller de telle sorte que on ait une seule institution qui proclame les élections, et là nous avons la possibilité de tout changer entre temps pour qu'au moment où ça arrive là-bas, que ne soit proclamé que les résultats que nous avons acceptés, adoubés et donnés, remis à cette institution. Moi j'ai dit donc pour ma part que au Cameroun, nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait la transparence, et nous exigeons, nous au FDR, nous continuons d'exiger qu'avant les prochaines élections, nous ayons un changement consensuel de notre système électoral. Mais à côté de cela, nous continuons de dire au peuple camerounais, et là je suis d'accord dans une certaine mesure avec, et même Blériot, qu'il faut que le peuple soit prêt. Nous disons donc à ce peuple, c'est justement parce que vous n'avez pas démonté comme le peuple du Sénégal, que vous êtes prêt, que vous êtes prêt à défendre votre souveraineté, que vous êtes prêt à défendre vos suffrages, que les autres donc se permettent justement de proclamer les résultats qui sont à leur faveur, même quand vous ne leur aviez pas donné le pouvoir. Il faudra donc que le peuple s'inscrive massivement, et nous le disons, et que lors des prochaines élections, ce peuple reste sur place pour surveiller. Très bien. On n'a pas besoin. Le peuple va au-delà des militants de partis politiques. Il faudra surveiller le vote. Il faudra s'assurer que c'est ce que vous avez mis dans l'urne qui a été proclamé. Enfin, je voudrais applaudir le représentant pour cette belle sortie. Et comme vous avez beaucoup parlé du peuple, hein, je vais paraphraser Oumniobé qui disait que le jour où le peuple n'acceptera plus de se mettre à genoux, personne ne sera debout. Tout à fait. Et c'est ça le message des révolutionnaires. Alors, docteur et toi, parlons un peu du RDPC. Hein. Ils sont nombreux, en tout cas les mauvaises langues, qui disent que sans tripatouillage, le RDPC ne peut gagner aucune élection au Cameroun. C'est une déclaration très très dangereuse et c'est totalement faux. Parfait. Je m'en vais commencer par justifier le pourquoi de ce propos. Juste après le copanéliste Cyprien, je voudrais dire que le Cameroun est témoin de la démarche très très démocratique et qui consolide, qui justifie un peu l'état d'esprit d'un bon parti politique. J'insiste sur mon terme parce que au Cameroun, il y a tellement de formations politiques, mais alors les vraies formations politiques se distinguent par leur travail, par leur calendrier, par leur agenda. Ce que prouve le RDPC sur le terrain. Je m'en vais aussitôt prendre l'exemple d'Alamvila Nord-Ouest. La section RDPC que conduit le camarade Bertrand Magouamendouga, tout comme le camarade Jean Côté, qui a élaboré avec le bureau national tout un agenda du déploiement au sein du RDPC. Il faut marquer le terrain. Il faut sensibiliser les militants. Il faut inviter à s'inscrire sur liste électorale. Je suis rentré, je suis arrivé à Yaoundé. Est-ce que tout cela garantit la transparence? J'en viens, parfait. RDPC. Merci de ne pas m'étouffer. Non, s'il vous plaît. Je ne m'étouffe pas. Si, si. C'est pour que les téléspectateurs comprennent. J'en viens. La transparence ou le succès d'un parti politique aux élections, en toute transparence, passe par cette préparation. Un parti politique qui n'est pas préparé. Le RDPC n'est pas aidé par la machine. C'est totalement faux. Je dis totalement faux. Par les autorités camerounaises. Ce sont les formations politiques qui n'ont pas préparé. Par exemple, par les CAM. Je dis jamais parfait. Vous m'avez coupé lorsque vous disiez que du côté de l'Anvila, en ce moment, les bureaux de section sont en train de se déployer. Ce n'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis plus d'un mois.
que nous marquons le territoire. Des séminaires. Vous savez quand même qu'il y a certaines parties du Sud, lorsque certains partis d'opposition veulent même tenir une petite réunion, c'est interdit de manière systématique. Je n'ai pas de preuves. On bannit même les gens des villages. Je n'ai pas de preuves. On bannit même les gens des villages. C'est-à-dire que dans la région du Sud, tu es la honte du village parce que tu as tenté d'être dans un parti d'opposition. Je ne suis pas d'accord, Berio. Nous accueillons tout le monde dans le Sud. On parle pas de l'accueil. En dehors de cet accueil, la région du Sud est une région d'hospitalité. Mais on parle de politique. Parti politique, population venue de partout pour se battre, se déployer, sans qu'on est bienvenu. Quand on arrête les pierres sur le cortège de, permettez-moi de finir. Du leader du SDF. Oui, finissez justement pour que. Mais je voudrais dire, parfait, que les partis politiques camerounais doivent éviter de continuer de développer le propos de contestation absent de transparence, alors qu'en fait, au sein de leur propre organisation déjà. Donc, le problème, c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes, d'accord. Très bien. Je vous dis parfaitement, avec votre permission, je souhaiterais mettre à votre disposition l'article qui parle de contestation et montrer comment l'immaturité des partis politiques est à l'origine de toutes celles du type contestation habituelle. Pierre Blériot, en moins de 30 secondes, que voulez-vous que l'on retienne au sortir de ce débat? L'heure vient, elle n'est peut-être pas encore venue, où le peuple camerounais se mobilisera comme un vrai peuple et mettra fin à tous ces discours qui sont des discours d'hypocrisie, qui narguent même le peuple. Vous savez, un peu de levain fait lever toute la pâte. Tout à fait. Lorsque la minute sera arrivée, ça je le dis à tout le monde, lorsque la minute sera arrivée, personne ne dira plus au peuple, fais ci, fais ça. Hein. Le RDPC sera prêt. Non, le RDPC... Même le PDG. Nous sommes prêts en ce moment. Même le PDG de notre groupe. Le RDPC pourra renaître. Merci. Sous une autre forme. C'est terminé. Merci au docteur Etoura qui était là ce matin. RDPciste, je ne le savais pas. Beaucoup de courage dans votre activité politique. Merci beaucoup, politique. Parfait. Aimé Cyprien Olinga est le président du Front démocratique révolutionnaire. Merci également à Pierre Blériot qui restera notre consultant. Bernardo a eu un petit souci et il est parti en urgence, mais il nous retrouvera avec un peu plus de forme demain matin. N'oubliez surtout pas le journal de 12h dans 8 minutes. Très exactement, la rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec Douce Cécile.